Bonjour à tous et bonjour Pascal. Et coucou. Désolée, je finis de reconfigurer ma petite DS. Je redécouvre le bonheur de cette console. Elle était vraiment bien. Ouais, on va repartir sur Fantasy Live, un des seuls jeux que nous avons où on peut jouer online. Connexion 1. Mais Wen refait ça. Du coup, faut que je retrouve... Je retrouve le jeu. Parce que moi, j'aime bien prendre les jeux en version numérique, contrairement à Concret qui aime bien les boîtes. Et du coup, c'est vrai que les boîtes, c'était quand même bien avec la DS. Mais je vais le retrouver. De toute façon, je pense qu'on n'a pas besoin de moi au début. Hein. On va attendre le premier combat, je vais rejoindre Concret. Mais de toute façon, là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on est reparti, évidemment, sur Pokémon. Un petit live de 2-3 heures. Probablement jusqu'à 18h, hein, pour que Mewen après puisse... Hé, j'ai pas mis mon iPad, là. Bah non. Moi, je pensais que tu m'as dit que c'était bon, du coup. Tu es allé le chercher? Bah, il est où? Derrière. Derrière où, ça? De quel côté? Là. Sur ton bureau? Sur le bureau d'à côté. Bah, on va faire ça. Hein. Il est dans la pochette, mais attention, la pochette n'est pas fermée. Je vais me faire engueuler. Tu peux pas l'atteindre, toi, de là? Je peux pas bouger, moi. On va faire autrement. Hop. non, ça va être pénible. Je vais mettre le live ici, de mon côté. Ah, j'ai demandé deux fois, mais Wen. Oui, comme elle a pas répondu, je me suis dit que c'était normal. J'ai voilà. très mal au dos aujourd'hui, du coup je suis perturbée, mon cerveau se retrouve dans mon dos aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Et on devait en fait aller... On avait eu les badges de quoi? De Azuria, mais on n'avait pas eu le badge ici. Non, l'avant-ville. Mais on avait au moins deux badges de retard. Il y a au moins l'avant-ville. Deux badges. Eh ben, je peux pas y aller. Ah non, je vais être en extérieur pour voler. Ah, ça paraît logique. Mise à jour. Bah oui, hein. Ouais, là, le problème, c'est que pour accéder au bureau d'à côté, c'est un parcours du combattant. Enfin, il faut enlever tous les fonds, machin. Ouais, parce qu'on a deux fonds verts, attention, ça ne rigole pas. On ne peut plus circuler dans le bureau quand on fait un live. Hein, ah non, quand on joue, on ne circule pas, on joue. Déjà, quand Concret fait son live et que je suis à côté au bureau, moi j'ai à peu près ça pour mettre mon siège. On doit refaire un autre... Ouais. Parce qu'en fait, on a des bureaux en oblique, ce qui n'est évidemment pas pratique. On aurait dû les mettre en ligne, ça aurait été beaucoup plus facile. Ouais, mais on a des bureaux d'angle qui sont vachement bien, hyper profonds et tout. Bon, il faut trouver la reine de l'avant-ville. Bon. Qu'est-ce qui ressemble à une arène ici? Allez! Non, vas-y. Vous êtes la lumière. Tu dois appuyer sur le petit bouton. C'est bon, c'est fait. Ah. Voilà. J'essaye d'imaginer. Oh, on avait mis une photo du... Ouais, je crois qu'on a une photo. Oh. Est-ce qu'on l'avait mise ou pas? Je suis pas sûr qu'on l'avait mise, mais on a peut-être une... Si je fais des têtes bizarres, c'est parce que je suis en même temps en train de me faire masser. Et ça me fait super mal. J'ai vraiment très mal au dos. Est-ce qu'il y a une arène à l'avant-ville? Bah... Attends, il nous manque quoi comme badge? Il nous en manque deux. Oui. Il nous en manque deux. Carmin sur mer, on n'a pas eu non plus. Mais on y a déjà été? Safranière, on a fait. Est-ce qu'il y a une arène? Nous, on était là, par Mani. Ah ouais, mais il nous manque Carmin. Safrania, on l'a fait. Ouais, c'était la belle arène, là. Mais il nous manque l'avant-ville et... Bah si, mais l'avant-ville, il y a carrément un truc, non? Non, pas sûr. Mais ils sont où, les badges? Je ne suis pas sûr, parce que tu vois, ici, il n'y a pas l'air d'avoir... Il n'y a rien qui ressemble à une arène, ici, hein? Non. Mais il y en a peut-être une, par contre, à Carmin-sur-Mer. Ah, pour ma console, on est le merci samedi, il est 22h17 et on est samedi 1er du coup. Hein. Eh ? Merci pour le beat. Ouais, bon, on a évidemment le son des annonces un peu particulier parce qu'on entend de deux sources différentes. J'avoue. Ouais, donc ça fait un peu bizarre. Bienvenue à toi, Darkling. Salut. Tu vois, là, il y a une arène Pokémon. Là, il y a une arène... Tu vois, il nous dit. Tu vois, là, il n'y a pas d'arène Pokémon. Ah, il nous le dit? Ouais, regarde. Là, il y a une arène Pokémon qu'on n'a pas faite. Allez, on y va. Et on n'en avait pas deux de retard? C'est la de Paul. On l'a pas faite non plus. Ah, il y en a une, c'est la de Paul. Ouais. Bah alors? Tudum.
Ah, faut que j'arrête de danser, moi. Je suis en train de danser alors que j'ai mal au dos. Oh. Mais quelle idée. Ah, je me fais, mais... Qu'est-ce qui ressemble à une arène, ici? Vas-y. Non. Ça, là, le gros truc, là. Ça. Ah, mais oui, mais on pouvait pas y aller pour... Ah, mais c'est pour ça. Il y avait eu quelque chose, un moment. Il y avait un buisson. On l'a déjà faite, celle-là? Non. Non. Vas-y, lis. Je crois qu'on l'avait déjà faite. Major Bob. On l'a déjà fait, Major Bob. Eh oui, on a déjà fait, mais il nous manque qui? Ça fait mal avec le menu. Hein. J'essaye de voir où est-ce que je vois mes badges. Où est-ce que je vois mes le badges? Pokédex. Le dos droit épaule, le dos droit sinon on a mal au dos. Bah oui. Non, c'est pas ça. Bah c'est sac. Et comme avec la carte, alors attention. La carte. Poche de capture, poche de combat. Poche de combat? Dédicace. Ah là, y'a rien là. Bah, sans deck. Où est-ce que tu voyais ça? C'est quand tu sauvegardais et qui? Ah, ou dans sauvegarder, c'est dans sauvegarder que je les vois. Ah, voilà. Et on a... Il nous en manque un, deux même. Si on fait le truc dans l'ordre que ça devrait être. Il nous manque... Bah on va aller de toute façon à Cella de Paul parce qu'il y a une arène qu'on n'a pas faite. Donc là, de toute façon, c'est sûr qu'il y en a une qu'on doit faire. On a eu lesquelles une fois? En fait, on a eu celle-ci. On a eu Azuria. Mais il nous a, on n'a pas fait ça, on n'a pas le badge de Safrania là. Ah si, on en a 4. Ah, c'est si, ça. Si. On a 4, donc c'est ça. C'est trop belle. Allez, va. Cella de Paul, on n'a voilà. pas. Ça, c'est, voilà. Il y a Cella de Paul et il y a Parmania. Ah oui, en plus, c'est ma musique préférée ici. Équipe, est-ce que nos Pokémon sont prêts? Ils sont prêts. Ils sont ready. Moi, je suis là ou pas? Ils sont ready to go. C'est vrai. Tadam. Ça, c'est le centre commercial. Donc, c'est pas là. Là, c'est la résidence. On a déjà été à la résidence. Il y a quoi dedans? C'est pas là où on s'est fait envoyer Petre pour dire que c'était un hôtel réservé aux humains? Ah non. Ah non, on n'a pas été là. C'est quoi ici? Si, je crois qu'on avait été. Il y avait rien de particulier. Ouais, vas-y. Ouais, on va à l'arène. Ouais, vas-y. C'est là où il y avait les développeurs du truc qui disaient ah, on développe le jeu, machin. Ah bon? Ouais. Je me souviens même pas. Allez, c'est parti. Je vais arrêter de prendre Ponyta parce que tu sais pas me suivre. Mais avec... Non, je sais pas te suivre. J'essaie de courir vite, hein. Mais c'est quand même classe de monter Galopa. Pink Pony est en super forme. C'est quoi ici? Ah oui, c'est la salle d'arcade. C'est la salle d'arcade, ça. On avait fait. C'est quoi ici? L'arène, c'est probablement monter devant. Monter devant. Bah, c'est probablement marqué devant, pardon. Attends, on va. Mais allez! C'est dingue ça! C'est pas ça, regarde là, un gros bâtiment là. En ouais. Dessous. Par où est-ce qu'on y va? J'ai vu un truc. Là, là, là et là. Mais. Ah, faut peut-être aller par ici. C'est totalement frustrant. Oh, je peux jouer à Animal Crossing. New Horizon sur. Sérieusement? Comment on fait pour voir les trucs que j'ai? Aucune idée, ça doit être ici, voilà, c'est ici la reine. Merde. Ah, il fallait couper un buisson en fait. Ouais. Normalement, tu vas sur ton compte Nintendo eShop, tu regardes Fantasy Live et tu pourras télécharger. C'est où mon compte? Ça, c'est les plantes ici. On va mettre Ponyta en... Ah ouais, ah, elle est belle aussi, ils l'ont trop bien faite. Un Pokémon mignon. Fantaisis avec un Y? Il faut un Pokémon mignon, alors on va prendre Aqualie. Ouais. Mais c'est... Il est trop mignon, évidemment. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'ils appellent Pokémon mignon? Bah, j'ai aucune idée. Mais je pense que ça marche pour tous. Tu lui montres Aplesia qui sent le cadavre. Oh, il est si chou. Ça donne envie de se frotter les joues contre les siennes. Et il sent si bon. Oui, Par contre... Si elle avait dit ça avec Rafflesia, j'aurais été mort de rire. On va pas mettre... Aqualie, du coup. Lui, il va s'en prendre plein. Ah oui, non, ouais, non. Tu mets carrément Ponyta. Ponyta et Rapace des Pics.
Ou Psycho Quack. Non, non, Rapace des... Mais non, c'est un Pokémon. Mais si, parce que... Oh. Oui, mais il a de l'attaque qui est psy. Non, et les psy, c'est très très mais fort. Mais Rapace des Pics, c'est un Pokémon vol. Ça marche contre les plantes à mort. On va faire confiance à Mewen. Mais bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas des stats charme, peut-être? Savoir s'il est mignon. J'ai tapé Fantasy. Et il me sort que des trucs chelous. Ah! Yay. Je l'ai celui-là. Résumé, attaque PV, attaque spéciale, vitesse. Non, il n'y a pas de charme. Mais bon, Aqualie était mignon. Bon, ben, combat. Allez, là je suis prête. You. C'est là. Je vais à droite. La rapace de pique qui va te suivre. C'est très bien. Salut. Tiens, tiens, comment on se retrouve? On la connaît? T'as pu le prendre? Mais normalement, je l'ai déjà, mais j'arrive pas à trouver mon compte. Télécharger. Toi, il me demande même pas le... Parce que je l'ai, hein. Je ne comprends pas. T'es sûr qu'il est pas déjà dans tes softs? Ben... Est-ce que t'as regardé? Pour mon mal? Cathy, la fillette, veut se battre. Ah, je me disais, il fait froid. Et apparemment, tu veux que je ferme la fenêtre. Moi, j'avais trop chaud, en fait. Bonjour. Ouais. Ok. Ouais, j'irai couper après. Enfin, couper, j'irai fermer la fenêtre après. Pauvre mystère. En plus, ah, mais oui, mais sans level 28, on était beaucoup trop... Ouais, on est beaucoup, beaucoup trop fort. Hein. Oh, je vais rien pouvoir faire encore. Bah si, parce que je vais faire des danses flammes, ça va rien faire, ça. Il a pas des bonnes stats, notre... King Pony. Parce qu'on a que 5 de... À mon avis, on l'a fait évoluer trop vite, il fallait qu'il apprenne lance flamme. J'ai un peu d'œil. On l'a fait, on l'a pas fait évoluer trop vite. On fait pas vol, fait... Bah quoi? Mimique? C'est rien ça. Non, on fait vol. Ou tunnelier. Ah, c'est vrai que c'était balèze tunnelier. Le problème c'est que vol c'est 2 tours. Ouais. De toute façon, ça reste hyper efficace. Ouais, on a... On les a mis dans le mauvais sens. Voilà, je l'ai pas. Mais tu es où là? Bah dans, moi, dans mes applis. Ouais mais c'est pas... C'est 20 pas... en arrière? Dans l'écran principal de la DS? Bah c'est ça. Non. Quand tu allumes et que t'as toutes tes icônes les unes en dessous des autres. Toi t'as changé toi? Bah non, ça a toujours été comme ça. Ah bon? Et t'as pas un truc jeu ou... Ok, donc la première c'est fait. Tu vois, c'est pour ça que je mettrais bien un Psycho Quack pour qu'il monte un peu de niveau. Ah, je m'y retrouve plus du tout dans la... Moi, je mets Psycho Quack, moi. C'est vrai? J'ai envie de tester un peu. En plus, il est 28, non? Ah bah si, il va se faire def. Ouais, bah, du coup, non. Tant pis, on va laisser ça. Hop. Mais en fait, si t'as pas... Ouais, de toute manière... C'est con, parce que... Mais si t'as pas tranchage, tu peux pas arriver là. Bah oui, déjà de base. Mais du coup, pourquoi ils te refont faire tranchage dans l'arène tout le temps? Bah pour être sûr, c'était surtout à l'époque que tu gardes ton Pokémon avec tranchage. Ah, c'est vrai. Mais à l'époque, c'était comme ça déjà? Comment ça, c'était comme ça? Bah non, à l'époque, fallait le mettre sur un Pokémon. Bah bien sûr. Mais donc, c'était pour te forcer à le garder. Oui, mais à l'époque, je me souviens pas que dans l'arène, il fallait faire coupe à chaque fois. Ah, peut-être, si. Oh, ça serait pas impossible. J'aimais bien Orchid. Hop, danse flamme. C'est juste pour les achever au cas où. Tu vois, danse flamme, c'est pas très fort. Hein. Ah mais bon... Mais ah, ça c'était bien. Tout tellement violent ce truc. Ouais. Cette animation a fait... Là je m'en rappelle pas de ce tunnelier. Ah non, non, moi non plus, c'est une nouvelle. C'est tellement violent pour les pauvres Pokémon. T'as presque pitié pour eux. Je connais maintenant le goût de la défaite, mais en même temps, meuf, tu dois tellement tout le temps... Enfin, t'es juste un sbire dans une arène. Oups. Hop. Regarde mes jolis petits Pokémon. Ouais, ça envoie du lourd, cette attaque. Ouais, c'est mais horrible. Elle est assez classe, en plus, j'aime bien.
Dans le tourbillon infernal. Tamia. Tamia envoie un mystère. Bah, c'est vrai qu'il est mignon. Il va te faire manger. Tout cru. Attaque danse flamme. Je peux essayer double pied peut-être. Non, vas-y, fais danse flamme. Ouais, mais danse flamme, c'est pas si fort. Ouais, mais ce sera quand même toujours plus fort que tout. Là, tu peux faire tunnelier. Le problème, c'est que les autres attaques mimiques, ça fait quoi? Ça refait l'attaque qu'on a eue. Je sais plus. Je peux tester, hein. Ah, c'est à moi de jouer, pardon. Ouais, c'est à toi de jouer. Je crois que mimique, ça refait en fait l'attaque qui vient d'être. Je crois que t'es juste un renfort, en tout cas, la con. On verra. Tout de suite. Mimique. Mais c'est pas échoué. C'est naze. Je sais plus ce que c'est. Et en plus, je suis empoisonné maintenant. C'était vraiment naze. C'était vraiment naze comme idée. Il est à la con. Désolé, bah, on aurait dû regarder avant en fait ce que ça faisait. On aurait dû regarder avant, ouais. Là, t'aurais pu faire vol, parce qu'en fait, quand il y a deux Pokémon, tu devrais faire vol. Comme ça, ça attaque sur le deuxième, peut-être. Le premier, tu te montes. Ouais, non, parce que le off... Off... À mon avis... Bon, là, non, là, tu fais tunnelier. À mon avis. Tunnelier, oui. Ça me paraît bien, en fait. Mais c'était vol, hein. Bah non, ici, ça servira à rien, ça va prendre deux tours. Là, faut faire tunnelier. Et sur certains, ça fait du chaos c'est direct. C'est super efficace, bah évidemment. J'avoue, t'as pas réussi à tuer un petit mystère tout naze. Et non. Et là, un boostiflore, tu le def. Et ouais. Oh, ils ont pas l'air contentes. Ah, tu m'étonnes. Donc on va soigner notre rapace de pique. Et on va peut-être regarder ce que ça fait cette attaque. Est-ce que tu peux ramasser la tablette? Quoi? Bah ben, on voit très bien. Voilà. Parfait. Ah, tu vois peut-être pas les... Mais c'était ça aussi. Commentaires du coup. Ah, ils sont là. Donc, on a le trousse de soins. Bah, je dois refaire... On a toujours pas racheté de... Tu veux faire... Ah oui, un... Ah, purée, mais oui. Eh oui. Alors, on a plein de sous, on va acheter des total soins. Ou des antivenins, hein. Ça marcherait bien aussi. Ouais. Et je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des coupes un peu partout, là. Bah t'as vu? C'est naze. Je trouve qu'à mon avis, à droite, y'a rien. Et caca. Allez. En fait, t'étais là, déjà. Eh, hey, mais je suis hors écran, donc je vois rien. Oh, bonjour. Je crois que c'est le boss final. Je pense que c'est le boss. Bien, je vais t'écraser. Bien, je vais t'écraser. Salut Laurence. Orchide. Vas-y Pink Pony, j'ai confiance en toi. Hello Erin. Hi Erin. Et tu peux faire une attaque tunnelier. J'ai pas regardé, du coup j'ai fait atterrissage. Quand vous voulez tuer après les Pokémon... Non, on ne les récupère pas ceux-là. J'ai fait atterrissage. Pour avoir un Pokémon, il faut en fait le capturer dans la nature avec les Pokéballs. Yay, maintenant je suis full vie. Et ça n'a servi à rien. Bah non, et en plus t'as fait un méga sensu, lui il va se remettre de la vie. Ouais, je suis dégoûtée. J'ai vraiment pas fait exprès. Donc en fait, vraiment pour les capturer, il faut qu'on aille dans la nature, qu'on les trouve et qu'on lance des Pokéballs dessus. On en fera tout à l'heure, des captures, parce que de toute façon, il nous en faut 50 pour la prochaine arène. On n'a pas éthéré... Les Hyperballs, non, on ira après, et puis il faut aller chercher des nouvelles espèces de Pokéballs. Non, mais... Mais pourquoi tu fais ça? Ah, arrête d'appuyer non-stop. C'est pas mal d'avoir pris un pass de pique. Peut-être que du coup, Mewen va ne plus spammer sa touche. Ah, il y a bon, attends. On va choisir une attaque, quand même. Ouais... C'est bon, ça n'a rien perdu parce qu'il était mort. Il faut mettre atterrissage. Il faut mettre toutes des attaques inutiles au début. J'ai pas fait exprès. We are fine. How about you? Les combats, ça up XP, exactement. Mais les captures aussi, ça up XP en fait. Mais oui, en fait, dans ce jeu, c'est comme ça. En fait, tout prend de l'XP. Ah, c'est pas vrai, ça y est. Perdu. J'arrive.
On est quand même trop classe en Team Rocket. I'm normal as always, yeah. Like us. On a l'air gentil comme ça, mais tu ferais bien de ne pas nous sous-estimer. Nice. Yeah, the radish emote is... It's an ID from Mewen. On aime beaucoup notre ID. We are always ready to go. Because in French, radish, it's ready. It's ready. Like ready. Boostiflore, y a pas plus fort. Faut arrêter avec ça. Hein. On peut peut-être les réorganiser, les attaques. Hein. Mais ce serait bien. Comme ça, je pourrais faire... I know. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh là là. C'est un beau combo, ça. J'aime bien le combo. Le combo Ponyta... Ouais, rapace. Tunnelier dans ce flamme. Je sais pas pourquoi. Il me faudrait lance-flamme. C'est probablement pas le Pokémon Feu qu'on va garder, à mon avis. Pourquoi? Galopa, parce qu'on n'a pas les bonnes attaques dessus. Et salut, Gligli. Hello, Gligli. J'espère que tu vas bien. My emotes are flying, I can't stop myself, I'm sending emotes. Ah oui, on the screen. On peut... Yeah, I'm also writing emotes all the way just because of that. Sac de nœuds, c'est super efficace. J'espère que tu vas bien, Lily. Mais... Aha! Coup de bol. Coup de bol, mais c'est pas grave. Eh ouais! Comment je l'ai trollé là, le sac de nœuds? Bim! Et mon vol, je vais faire mon vol. Bah oui, c'est bien ce que je dis. Est-ce que tu le perds du coup? Attaque vol. Là, je vais essayer d'envoler. Mais... Ouais, mais... Ah! Là, Là, j'ai un doute. Est-ce qu'il viendra? C'est ça que j'allais te dire. Là, en fait, Rapace des Piques, il est parti. Et comme le combat, il est fini, bah... Bon, bah voilà. Ce serait pas impossible. Ce serait trop marrant. Ah si, c'est bon, il est revenu. Ah, oh, quel bon Pokémon. Ah, Gligli. Merci Gligli. Toujours aussi charmeur. Et ah, Pascal qui nous fait des petits clins d'œil en mode. On s'inquiétait pour ton chat en fait. Oui, je n'osais pas demander. J'espère que c'était rien de grave. Ouais. Et c'est parti pour une danse de flammes. Ready to go. Arrête avec ça. Du coup, j'arrête avec ça. J'arrête avec ça. Bah tu peux bouger. Pas des masses. Pas des masses. Chétiflore. Bravo Pimpony. On va gagner mais 0 XP dans cette arène. Ouais, on gagne pas beaucoup d'XP malheureusement. En même temps, on est level combien? 45. 40 et eux ils sont 30. On l'a zappé cette arène. C'est un oubli. Ah tiens, Pascal aussi il s'inquiète. On s'inquiète tous, Gligli. On peut faire des vols ici. C'est vrai? Parce qu'il y en a encore un après, donc avec un peu de chance, tu vas... Arriver en piqué après, ouais. Quoi. Sauf si je le tue. Donc tu vois, et ici, toi tu vas t'envoler. Quoi? Je ne sais pas. À mon avis, c'est mort. Il va faire, mais ça échoue. Pas sûr. Ah, ouf. J'espère que ça va aller, ouais, j'imagine que t'as des petits trucs à lui mettre dans les yeux des fois. On a déjà eu ça, nous, avec nos chats aussi, où j'avais même de la pommade à mettre au tout début sur, dans les yeux d'Oera, et j'avais aussi du sérum à mettre dans leurs yeux, enfin... C'est pas simple. L'idée était là, mais bon, ça marche il pas. Est mort. Bah si, mais il est mort, mais ça a marché, il s'est envolé. Il est où, là? Bah il est en haut. Mais regarde, il est encore là-haut, bah, oui. Du coup. Un jour, je vais réussir à faire vol. Ouais, ah oui, ça rassure, merci Gligli, parce que ouais, on s'est tous posé la question en mode oh, j'espère que ça va. Le vétérinaire, ça angoisse toujours. Ouais. Ah. T'arrives. Regarde, tu es à fond derrière là.
Ah c'est ça, c'est bien joué ça. Tiens, je suis encore partie de l'écran. Ben, je crois que j'ai. Je suis revenu au début. Je me souviens de la reine de Céladopol. Ah bon? Mais oui, mais c'est vrai que ça ressemble à ça. Mais forcément, vu que t'as vu un peu plus du dessus. Tiens. Voilà. Bah oui, c'est pour. Parce que sinon, tu vas encore dire que j'avance sans toi. Ouais, mais c'est ça, Glili. Hop, descends. Hera, nous aussi, elle a pas mal, elle a eu pas mal d'allergies. Peut-être changer ses croquettes si jamais. Nous, on utilise des croquettes spéciales allergies, justement, depuis moi, depuis Hera. Ça fait des années que j'utilise les mêmes et ça se passe beaucoup mieux depuis qu'elle mange que ça. Trop classe. Ouais, je vais même pas sauvegarder, ça sert à rien. T'as vraiment voulu sauvegarder? Bah, je sauvegarde tout le monde. Oh, mais regarde comme elle est choupie. Je m'ennuie. Sous son arbre. Elle est très jolie celle-là. Trop mims. Ouais, j'aime beaucoup le design. Comme disent les jeunes de maintenant. Trop mims. Aïe. Comme disent les jeunes. Oh, la vieille quoi. Ouais, c'est ça. J'étais en train de me dire. Et c'est vrai, hein, n'empêche. Je suis Erika. Salut, la championne. Mais c'est ça, c'est la de Paul. Ah oui. Guy. Évidemment, soit je suis Ah, bah, tu t'en souviens, ok. De la première, quoi. Elle va avoir un Florizarre à la fin. C'était pas ça? J'aimerais bien avoir Florizarre, j'aime beaucoup Florizarre. Tu l'auras pas, c'est elle qui va l'avoir. Bah oui, mais. L'autre, quoi. T'as vu ce qu'elle te dit? Ah, il faut pas imaginer le pire. Toujours imaginer le mieux. Ah non, mais non. Tu vas perdre. Gligli, moi, ma première chatte, elle est morte à 24 ans. Ça peut aller loin. Donc voilà, t'inquiète. 10 ans. Et nous dis pas 10 ans, quoi. Hera, elle a quel âge? Elle a 8 ans, je crois. Ouais. Oh ah, mais elle est en pleine forme. Elle a 9 ans. Elle est en pleine forme, en tout cas. Ah non, dites pas que vous êtes vieux. Elle a pas 9 ans, Loki en a 5. 2012. C'est vrai, oui. Sorry. Ah oui. C'est quand même compté. Ah non, elle a eu 9 ans en février là. Ou vol. Nulli. J'aurais plutôt mis vol. Je crois que je vais le. Ah, il a évité l'attaque. T'as oh bien non, fait de mettre tout nulli. Non, j'aurais dû mettre vol. Bah non. Regarde, ça lui fait rien. C'est pas très efficace. Faut que je fasse vol. Faut que j'arrête de t'écouter là. Ping Pony s'est endormi. Attaque vol. Direct. Ah merde. C'est à moi. Ton chat s'appelait Gigi. Oh, c'est un hommage. Un hommage à ton défunt chat. Ping Pony dort profondément. J'aurais dû le réveiller. Regarde, il a l'air tout serein en plus en mode. Bah oui, bah il dort. Trop bien. T'es tout droit comme ça, en mode digne. Il va se prendre un vol dans la mouille. Sac, est-ce que j'ai de quoi le réveiller? Regarde comme il est beau. Réveil. Il faut qu'on rachète plein de total soins. Au moins 10. Oui. Vol. Vas-y. C'est tout? Vu la vitesse à laquelle sa vie est descendue, je me serais dit au moins il... Tu vas faire un atterrissage, toi. Ouais. Il est bien son sac de nœuds en fait. Là j'ai fait un danse-flamme. Marie-Antoinette, la reine à la maison. Marie-Antoinette, excellent. Ah mais atterrissage, bah écoute. Bah oui, comme ça au moins t'es sûr de pas rater. Bah non, bah si, le combat sera fini. Ouais mais justement, tu vas pas rater. Ah en a yes. Ah non, ça c'est bien joué ça. Eh non, je dois admettre. Et quoi ça? J'ai pas fait mon attaque moi? J'ai raté. Non mais pas double pied, fallait faire danse. Bah j'ai raté dans ce même, je viens de le faire avant, ça a raté. Et bah refais-le. Bah non. Bah si. Si c'est raté, c'est qu'il y a une raison. Mais non, j'ai pas une attaque à 100%. Mais pas du tout. Mais bien sûr que si, vas-y. Ouais, vol. Bah évidemment. T'es naze. Regarde-moi ça, il est level 33 et on est deux Pokémon qui sont plus forts que et lui. Ouais.
On galère. Là, tu vas le tuer, donc ça va. Là, il a rien pris. Je n'en reviens pas. Avec grand plaisir, moi je suis le premier à m'inquiéter avec Micha, donc je sais ce que horrible. C'est. Pour trois fois rien en plus à chaque fois, mais je suis très vite inquiet aussi, donc je sais ce que déjà c'est. Déjà que moi je m'inquiète de base aussi, mais alors lui quand il s'y met, je deviens complètement angoissé, tu vois, enfin c'est un truc de fou. Il était pas encore si haut que ça, un rapace. 39 quand même. Mais cela échoue, t'as raté ton vol. Ah, tu vois que ça marche pas. Mais ça a marché, bien sûr, mais c'est parce que là c'était mal timé. C'était mal dosé. Allez, déflagration. Boum. Allez, ouais, j'aime Boosty bien. Où pleure, y'a pas plus mort. Non, c'était beau. Mais c'était bien. Tu vois, ça c'est bien, du coup tu s'envoles et t'iras au prochain, donc si je le rate, t'es sûr de le toucher. Et si je le réussis, ben je le réussis, c'est fini. T'es certain de ça? Ouais. Rafflesia! Il est beau quand même. Regarde ce petit air tout content. Non mais pourquoi tu fais ça? Évidemment que tu vas le one-shot. Mais, oui mais j'aurais pu le rater, parce que cette attaque-là n'a pas 100%. Regarde ça! Bien sûr, mais cette attaque n'a pas 100%. C'est pas grave, Dark Cleaner, y a pas de souci. On peut pas être parfait, hein. Non, je rigole, mais moi j'ai plein d'amis hein, qui sont pas très animaux et tout, et je comprends aussi tout à fait. Ma sœur aussi, elle l'est pas du tout, enfin pas du tout, beaucoup moins que moi. Le badge Prism, c'est mérité. Elle adore nos chats, mais elle est contente de les voir à chaque fois et tout, mais elle, au quotidien, je suis pas sûre que ça lui plairait. Jusqu'au niveau 60. Oh, easy. Mais l'autre, c'était pas 50, ça ferait bah, bien. Si, mais du coup, vu qu'on a fait dans le désordre... Ah, peut-être. Et on a méga sensu. Il s'adapte. Et salut Hello, Astasia. Bon dimanche à toi aussi. Très très bon dimanche à toi. Encore une fois, un dimanche ensoleillé. Comment sur aller les écrans. On est sorti un peu, quand même. Ouais, on a presque mangé dehors. Ouais, mais il est un peu froid. Il fait beau, mais il y a du vent. Et franchement, c'est trop beau. Hein. C'est joli. C'est hyper joli. Ils les ont bien faites, les arènes. Hein. Vraiment trop beau. Non, ils ont bien fait ça. Oui, raccourci. Ah oui, quand on arrive, on était directement en face. J'ai même pas tilté, moi. Là, j'ai pas fait on attention. On était directement en face d'Erika en mode coucou. Bah, c'est comme dans Hellbuck, hein, ils disent la fin du donjon, c'est toujours la première porte en face, mais les aventuriers ne vont jamais en face. Elle était bloquée. Hein. Non, oui, mais dans les audios. Oui, c'est vrai. On va aller à Pat. Oui. Parce qu'on va faire des captures et j'ai envie d'entendre un petit peu cette musique. Et on va aller chercher nos hyperboles aussi. Enfin, à patte avec Galopa, quoi. Ah, c'est la seule dans l'animé que sa chaîne n'avait pas battu. Sérieux? Ah, il s'est fait rect? Je me souviens plus. Ouais, mais Sacha, il perd tout le temps. En 20 saisons, il a gagné une seule ligue. Et il en a quand même gagné une. Bon. Oh, c'est pas sympa de se moquer. Non, c'est vrai. C'est quoi ça? La banque Pokémon? Non. Mais c'est un truc de dingue! C'est quoi ça? Pokémon Shuffle, on s'en fiche. Nulé. Ah, Pokémon Soleil Lune, j'ai une démo. Ah bon? C'est cette icône, ok. Et donc ici, on va rechercher nos Hyper Balls. C'était là-bas, je crois. Oh, des glaces! T'en veux une? Ouais. Ça m'en cherche une. Ah, il s'attendait pas à ce que je dise oui. Ouais, mais on va pas en chercher une. Oh. On ira en chercher pour la semaine prochaine. C'est pas vrai. Bon, je crois qu'il y a les tabacs, les Hyper Balls. Ah, j'ai la flemme de sortir, là, vraiment. J'aurais pu, hein, mais... Tu vois, ici. Oh, chérie, qu'elle doit bloquer presque et tout. Oui. J'irai te faire un thé. Ça me va. Des sushis, tiens. Oh et... Je sais parler aux femmes. Tu trouves ton jeu? Non. Elle cherche pour tes emails depuis. Elle a pris sa DS il y a au moins une heure. Oui, mais je suis en train de faire comme ça là. 30 Hyper Balls quand même. Hein. 30? Ouais, 30. Oh le mec! Ouais. Eh, ça valait le coup? Ouais, ça valait la peine.
Bah, faites toutes tes icônes et trouve Fantasy Live. Vas-y. Oh, de toute façon. Je n'ai pas besoin de toi. Mais non, mais je peux même pas te suivre, alors. À quoi bon? Tu sais parler aux femmes et aux vieux. Moi, j'ai des trucs tout chelous là. Ouais, effacer les trucs. Comment on gère ça? Bon, il faut qu'on en trouve là des Pokémon. Ah tiens, il y a une Pokéball, trois Super Balls qu'on n'a pas trouvé. Je sais pas si vous entendez, mais là du coup il y a les glaces qui sont juste. En plus il s'est arrêté juste en face de chez nous, là il est arrêté. Et là il continue. Je crois que ça s'entend un petit peu à mon avis dans le micro. Il y a plein de psychocoches, je veux pas des psychocoches, je veux des nouveaux Pokémon. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller à Parmania. Ah! Bah tu l'as, Fantasy Live. Mais pourquoi il est pas dans Fantasy Live? Fais pas effacer, bah non, fais pas faire. Hein? J'ai pas reconnu l'icône. Je pensais pas que c'était ça. Ah, elle a pas reconnu l'icône. Elle pensait pas que c'était ça, c'était comment? Ça va être l'icône du jeu, hein. Ah, oui. À mon avis, je suis sûr que c'est l'icône du jeu. Attends. Pourquoi ça... Bon, ça lag. Vas-y, hein, je te montrerai. Ah, voilà. Tu vois? J'ai pas du tout reconnu que c'était ça. C'est pas du tout l'icône du jeu, donc je ne lui en veux pas. Pourquoi c'est indirigeable? Je ne sais pas, bah... Par contre, je suis bloqué toutes les 10 minutes, hein, ici. Moi, je suis... Si tu peux faire quelque chose, donc t'as retrouvé ton jeu. Je suis vraiment bloqué toutes les 2 secondes, parce que apparemment ils ne considèrent pas que tu t'en vas, tant que tu n'es pas parti. Et là, t'es parti, c'est bien. Maintenant, tu peux... Allez, c'est pour ta console, j'aurais dû faire ça dès le début. Ah donc, je suis plus dans l'écran, il n'y a plus moyen, mais il veut quand même... Tu sais ce qu'on peut faire? Essayer de capturer des nouveaux Evoli et aller chercher une pierre foudre et une pierre... Mais oui, bien sûr. ...feu, comme ça, on aura déjà 2 nouveaux Pokémon. Vas-y, fais ça. Je sais pas où ils étaient, les Evoli. Qu'est-ce que je voulais faire? C'est pas ici? Paramètres de la... La TR, ouais, c'est ça. Ou alors, je voulais regarder les Pokémon type eau à Parmania. Nous sommes le combien? On est le 25? Mais normalement, elle se met à jour toute seule, ta console. Bah, pas du tout. Je sais plus où ils étaient, les Evoli. C'est pas là? Heure, il est quelle heure? Il est... 15h38. 15h38. Oui, il serait pas toute seule. Bon bah tant pis, on continue. Du coup je mets 39. Ouais, pas une science exacte. Hein. Un petit peu. Ça j'aurais moins de... Sabrina, ça ne me dit rien. Tu sais Sabrina? Sabrina? Il y a une Sabrina? Parmani. La musique elle est cool aussi, ici. Ouais, toutes les musiques sont cool. Voilà. Est-ce que tu connais Léo? Mais oui, Léo, c'est le Pokémaniaque. On l'avait vu. Ah, 39, ouais, j'aurais 10 secondes, quoi. L'arène psy, on a fait une arène psy, ouais. On a fait Safrania. C'est Safrania? C'était mais Sabrina non, qu'elle s'appelait? C'était pas Sabrina. C'était... En tout cas, on a fait une arène psy la dernière fois. C'est qui? C'est Sabrina? Ah, je ne sais pas, mais on l'a dérouillée. Ça me dit rien. Je ne sais plus son nom, mais c'est possible. Ça ne me dit rien. Et en fait, on ne va pas aller tout de suite à la reine. Là, il nous faut 50 espèces, mais je me demande si c'est pas ici, parce qu'il y avait le low class. On aura le moyen d'aller sur l'eau. Et là, on peut se faire les Pokémon type eau. Et le parc safari. Et le parc safari, mais à tes souhaits. On va te montrer ça tout de suite, Gligli. Dès que je suis sorti du stand Pokémon... Regardez vos badges. On va regarder. On va ça. Mettre nos badges. Est-ce que je me souviens plus? Mal partout, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, on dort très mal parce qu'il y a les chats qui prennent la moitié du lit, tiens. J'ai mal au bras. Ah ouais? Moi j'ai mal partout aussi.
On a eu ceux-là. Et celle qui est en noir en dessous, comment elle s'appelle ? On ne peut pas voir ? Je sais pas comment on fait. Mais il nous en manque un. Ouais. Ah, je me suis trompé. Arrête d'appuyer partout. Parle un peu à tout le monde, hein. Parfois on a des choses bien. Ah, on dirait un mec de cirque, lui. Abracadambres, à ton Pikachu, qu'est-ce qu'il va m'apprendre, lui ? Pika Pika, Pika Splash. Oh. Pika Splash, c'est bien, ça. Tu peux apprendre des trucs hauts ? Ça me paraît bien. Bah, à la place de double pied. On va faire ça, en fait. Eh ben, Pika Pika. Comme un truc vol, je pense. Ouais, et ben tant pis, j'ai enlevé le Fatal Foudre. Oh, tu crois ? Ou j'enlève Tonnerre. Oui, c'est Sabrina la dernière, avec les cheveux noirs là. Ah bah c'est Sabrina alors. C'était moi ça ? T'as combien d'heures de jeu là-dessus ? 42 heures. Oh, regarde. Mais moi je vais recommencer moi de toute façon. Regarde Kikounette. Ouais. Elle est trop belle. Je vais me refaire un chevalier sur Fantasy Live. Moi je vais recommencer aussi, hein, parce que je vais rien pouvoir. Pika piquer. Ouais, c'est type vol. Donc je vais le faire et j'ai quoi ? J'ai Fatal Foudre, mais tu vois, pression. Ok, c'est 110, 70. C'est quand même pas mal. Tonnerre, par contre, c'est 90 et c'est 100. Yay yeah. Merci, Tadou. Merci pour le beat. Et du coup, Pikachu, il a tout, il manque plus qu'un truc de type feu. À la place de. À la place de tonnerre, si je mets du feu, c'est bon quoi. J'espère que tu vas bien, Tazou. J'espère que tu passes un très bon dimanche. Nous, on vient de louper le camion de glace. On vient de louper. Mon crâne n'a pas voulu aller chercher. J'ai résisté. J'ai une volonté de faire avec ça. Parfois, je craque. Moi, il m'aurait dit vas-y, on y va, j'aurais fait oh ouais. Zéro volonté. Wow. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, mais il est beau, lui ! Ouais. Il m'échange un ossature contre un ossature, mais un cool ossature. Ah, OSS Dandy. Bloup. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, c'est marrant. Oh ! Il est trop bien. Ça peut être un ossature d'ailleurs. Eh, mais il est vachement plus fun, celui-là. Alors, j'ai pas vu ce que c'était comme message. Ah, c'est la forme d'Alola. Ah oui. J'ai pas vu ce que c'était comme message, mais c'était peut-être un lien. Si c'est un lien, les liens ne passent pas et sont supprimés. Ah mince. Donc voilà. Mais c'est peut-être un bot, hein. Donc Helltiger. Helltiger. J'ai pas eu le temps de voir si c'était un bot ou pas. Helltiger. Donc si jamais tu n'es pas un bot, désolé, bienvenue par ici. Et si c'était un lien, c'est normal que le bot le supprime. Bienvenue quand même, même si tu es un bot. Ça nous fait plaisir. Moi, j'ai rien contre les bots, de toute façon. Bah non, évidemment. Très pratique en hiver. En cas de pluie, tu aurais pu dire. En cas de pluie aussi. Bah, en hiver, tu mets des bottes, toi. Bah, bien sûr. C'est super froid, des bottes en hiver. Quand tu vas au ski, tu mets pas des bottes. Tu mets des bottes de ski. Bah, c'est des bottes. Bah, mais rembourrées. Là, quand tu dis bottes, on dirait juste des bottes en caoutchouc toutes flagadoues pour être un lagadou, justement. Même dans la neige. Est-ce qu'il est fort, cet ossature ? Est-ce qu'on sait le mettre dans l'équipe ? Il est hyper beau. À la place de. On a la place de personne, hein. Ah, on est bien, là. Pink Pony, mais c'est lui, c'est juste parce qu'on a du feu. Et voilà, Psychoquack. Mais il ne sert à rien. Même une fois du psy, à moins qu'on puisse mettre de l'attaque psy à ossature. Là, il va en pause pour de la glace, mais évidemment. Est-ce qu'on se met de l'attaque psy à notre nouvel ossature ? On peut tester. Il est quel type l'ossature de Alola ? No idea. Bah, regarde. Il est là. Alola. Il est là. Il est trop classe avec son petit. Il est là. Information. Feu et spectre. Oh bah. On peut le mettre à la place de. De Pink Pony. Oh désolé Pink Pony. J'espère qu'il est pas là. Et en fait, il est très bien notre Galoppa. Oui, celui-là il est beaucoup trop classe. Mais malheureusement, il a pas des bonnes attaques. Donc tant que j'ai pas moyen d'avoir une attaque. Mais le problème c'est que t'auras pas moyen si tu ne le. Ou alors faut qu'on réattrape un autre Ponyta et qu'on lui fasse apprendre tonnerre et. Tonnerre bien sûr, lance-flamme.
Ah ouais, mais il est vraiment classe. Vas-y, vas-y, prends-le. On va voir les CT qu'on a qu'on peut lui mettre. Hein. Et il est quel niveau 38 en plus, c'est pas mal. On peut lui mettre quoi? Feu et spectre. On peut lui mettre tunnel. Je vais d'abord voir qu'est-ce qu'on a de bien. On n'avait pas balle ombre là qui était. Vibre obscur. Attaque vibro. Ténèbres, précision. Ça peut être pas mal. Je sais pas ce qu'il a, mais on peut voir. Vas-y, vas-y, essaye. Il a frénésie, ça c'est naze. Vas-y. Ah ouais. Et il a feu follet, c'est bien ça feu follet? Je sais pas, mais le nom j'adore. Et on va lui mettre d'autres trucs, hein. Rappelle mon perso que j'avais appelé Willow the Wisp. Ballon, c'était bien ça, ouais. C'est ça feu follet. J'adore. Ballon, oui, mais. Actually, là déjà. Ouais, mais c'est pas grave. Tu vois, Mania, c'est bien, ça fait quoi Mania? Mania, ça augmente. Une attaque furieuse qui dure 2, le lanceur devient confus. Ouais, mais est-ce que ça augmente au fur et à mesure, en fait? En fait, au bout d'un moment, tu la lances et t'as pas le choix, ça continue. Lily va s'arracher les cheveux avec nous. Mais pour regarder s'il est plus fort, type... Attends, ah oui, c'est vrai. Oui, mais pour le moment, je remplace les attaques de toute façon qu'on n'utilise ouais. pas. Ça marche quand même, t'inquiète, Lily. J'avoue qu'il y a de quoi s'arracher les cheveux et nous regarder jouer à Pokémon. Ouais, ouais. Mais ouais. Mais c'est un style. C'est un style, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut parler avec tout le monde, pour essayer d'avoir tout le monde. Et on va monter, je crois que c'était en haut, les Pokémon haut. Directeur. Eh oh, oh la vache, merci Tazou. Tazou pour les 1000 bits. Je crois que tu as débloqué ton Honor Ball du coup. Oh, wow. Je pense que. C'est de dingue. J'arrive oui, pas. Oui, tu as une Honor Ball vu qu'en fait l'Honor Ball dans les jeux est offerte à partir de l'achat de 10 Pokéballs. Donc on a voulu être RP et on a, et on a laissé donc l'Honor Ball pour l'achat de 10 Pokéballs. Donc en gros ça faisait ça. Merci donc beaucoup, GG Tazou et merci encore. L'Honor Ball qui est ma Pokéball préférée dans le jeu. Oui. En termes de design. Ouais. Je la trouve vraiment trop jolie. Ah. Ça fait super plaisir. À fond. Je voulais mettre ma maison en location pour que les gens puissent s'y réunir et échanger. Ah, merci beaucoup, Tazou. Enfin, ça nous touche vraiment énormément, quoi. Ah, c'est grâce à vous qu'on passe vraiment des super moments sur nos lives et sur nos jeux. On redécouvre le plaisir de jouer grâce à vous aussi, quoi. Tout à fait. Et moi, j'y repense surtout par rapport au drôle. Je pense vraiment pas que j'aurais pris autant de plaisir sur ce jeu si je l'avais pas fait en live. Et moi, je t'avoue que je n'aurais jamais regardé quelqu'un jouer à Old World si ça n'avait pas été toi, et finalement, j'ai bien aimé. Vous êtes tellement simple et sans chichi. Ah bah oui, on se force pas, effectivement. Je crois qu'on n'y arriverait pas. À se forcer. Mais t'es à pas être naturel. Bah oui, du coup, à se forcer à être d'autres... Bah oui, ouais, logique. Non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est ça, c'est quand la Pokéball, le cercle est le plus petit possible. C'est là qu'on a le... Bah c'est ce qu'on fait là. On lance qu'on sait déjà à moitié. Et ça peut booster les points d'expérience aussi. Hein? Pourquoi, en fait. Contrairement à certains streamers. Ouais, c'est ce qu'on... On en parle souvent aussi avec Concret quand on en voit certains. Il y en a beaucoup qui restent très naturels, parfois un peu trop. Il y en a qui sont trop naturels et du coup c'est... Ils devraient parfois se forcer à être un peu plus gentils. Mais... Il y en a, c'est vraiment un rôle, oui, il y a une cinématique du coup. Il y en a, c'est un rôle parce que c'est aussi leur métier peut-être, alors du coup, ils doivent peut-être se trouver un rôle, quoi, une manière d'être afin de se démarquer, peut-être. Mais j'avoue que ça me paraît un peu bizarre aussi. Kangourek, j'aimerais bien. Il est beau. Ouais. Il est énorme surtout. Alors ça peut te rassurer, Gligli, moi aussi, j'en rate aucun. Si, moi j'en rate quelques-uns parce que quand je vais reprendre le travail le samedi, là j'ai de la chance parce que même... Attends. Ah, Tauros aussi, je l'adore.
Tauro, c'était une plaie à avoir ce Pokémon. Au parc Safari, tu vois. J'adorais. Il était très compliqué à avoir, celui-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une forêt qui pousse derrière nous. Tellement naturel. Ok, tellement naturel. Ah, j'aimerais trop. Ah, si tu savais le nombre de plantes qu'on a derrière nous en bas, on ne sait même plus où les mettre. Non. Mais ouais, on reprend et ça s'appelle. Mais oui, mais c'est très bien, j'adore les plantes. Moi, je suis vraiment un Pokémon plante, quoi. C'est le parc Safari ici. Qu'est-ce que je raconte, moi? Qu'est-ce que je racontais avant que tu m'interrompes? Avant que je m'interrompe toute seule? Par rapport au live qu'on n'en ratait aucun. Oui, quand je vais devoir retravailler le samedi, forcément, je pourrais pas voir les lives de concret et ça m'attriste un peu. Mais j'ai de la chance, c'est ça que je voulais dire. Parce que la semaine prochaine, là où je reprends vraiment le travail, et eh ben le samedi c'est le 1er mai. Du coup, je travaille pas le samedi, donc je vais pouvoir quand même voir concret jouer. Ah, j'ai congé samedi. 1er mai, j'ai congé. Ça ne change rien. Avec un peu de chance, ça veut dire que lundi, je suis en congé. Ou vendredi. Je le reprends probablement soit le vendredi, soit le lundi. Ouais, bah, ça va, quoi. Ça, c'est bien, ça. Moi, je gagne juste une journée. C'est déjà super. Ça veut dire que lundi, on va peut-être pouvoir vous faire un grand live. Ah ouais. Monsieur Ramolos pour le directeur. Vu son regard vite, il y va comme un gant. Va falloir que je vous fasse bientôt un live sur Euro Truck Simulator quand même, hein, qu'on se marre un peu. Avec mes wads volants. Ah, j'ai trop hâte. Mais... Peut-être demain, si tu veux. Pas un live demain, si tu veux. Hein. Ouais, je voulais attendre d'avoir un volant et tout, histoire de pouvoir faire ça mieux, mais tant pis, on est au clavier. Ça fait des coups de volant un peu bruts, mais un peu brusques. Ah, il y a un Voltorb. Mais ouais, j'ai déjà été lui parler. Il a fait quoi? Voltorb. Tu fais très bien le Voltorb. N'est-ce pas? Voltorb. Go Park, découvrez notre frameux jeu. Il n'y a pas le parc Safari, ça a été remplacé par ça. Et ça c'est quoi? Et c'est quoi en fait? Pourquoi tu sauvegardes? Alors, la raison est très simple. Pourquoi est-ce que je sauvegarde? Dans Pokémon Soleil Lune, tu as le parc machin, je sais pas trop quoi là. Tu as une petite option qui te met dans les châteaux bazar. Et une fois que tu y es pour la première fois, tu ne peux pas le quitter. Tant que t'as pas fait tout le petit tutoriel. Ah. Donc là, je sauvegarde parce que si jamais on peut pas le quitter avant sur le tutoriel, bah je quitte le jeu, je le relance et puis voilà quoi. Un vrai camion. Ah, mais justement, je voulais te demander parce que. Ah oui, là, Darkliner qui me dit camion, clavier, souris. Bah oui, je sais, mais j'ai pas de volant. Et en fait, on peut soit diriger avec le clavier, donc tu fais, t'avances, enfin tu accélères, tu freines avec Z et S, et tu tournes le volant avec Q et D quoi. Ou alors, tu peux tourner le volant avec ta souris. Et du coup, mais c'est horrible la souris parce que du coup dès que tu bouges ça fait 3 tours de volant, enfin c'est vraiment pas... Moi j'arrive pas. Je préfère encore rester clavier souris avec la souris pour bouger ma vue et regarder à droite à gauche, donc je trouve ça beaucoup plus pratique. Et voilà, donc moi je préfère comme ça, tant que j'ai pas de volant je préfère rester au clavier. Et je voulais demander à Pascal du coup, parce qu'un vrai camion, un Scania, justement ma question c'était c'est quoi le meilleur camion, parce que là j'ai... participer à un... Alors, je le dis quand même, on voulait peut-être pas le dire. Ouais, on s'en fout. J'ai participé à un petit concours de graphisme, mais bon, j'ai juste pour participer, donc ma participation sera peut-être pas retenue et ce serait tout à fait normal. Mais au moins, j'ai participé avec Renault Truck qui ont sorti leur nouveau T-High Evolution, leur nouveau camion et tout. Et je ne sais pas si rouler en Renault, en camion, c'est quelque chose. T-High Evolution. Evolution. Non, T-High Evolution. De crocodile. T.I. un crocodile de crocodile Evolution. Tu connais pas assez François Lambrouille. C'est d'une caméra cachée d'un acteur belge. Je crois que je suis le seul à comprendre, mais... Je vous conseille d'aller voir François Lambrouille. Ses caméras cachées, elles sont géniales. Tu m'as interrompu pour ça, quoi. Donc, ah oui, Pascal, quand il conduit son camion, il est aussi au clavier. Donc voilà, je ne sais pas quel est le meilleur camion à avoir sur Euro Truck Simulator. Moi, je veux un camion qui a des bons freins. Parce que l'EA, dans le jeu, elle fait n'importe quoi. Merci Pink Pony. Où ça, Pink Pony? Pour ça, Damien. Ah oui, c'est beaucoup Pink Pony. Et donc, Mawen a participé à ce concours. On mettra l'image de son camion demain. J'ai fait un truc. Voilà. C'est ce que j'ai pu faire de mieux en aussi peu de temps, on va dire. Et en gros, c'est vrai qu'il y a plein de Scania dans le jeu, moi j'y connais rien. Scania, il y a des Scania, des MAN, M-A-N, il y a des DAF, pas quoi d'autre, Renault, DAF, Mercedes, et donc je ne sais pas quoi prendre. Enfin, j'ai pas encore assez de sous pour m'acheter mon propre camion, hein.
va sûrement falloir que je fasse un emprunt à la banque. Tu as presque 100 000 euros là. Mais il faut compter au moins 250 000 pour avoir un bon camion, je pense. Kabuto, c'est pas genre le truc fossile, méga rare. C'est un fossile. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais là, il est bien. Et là, il est bien. Tous les camions sont bons. On retiendra ça. Ah, c'est vrai qu'il y avait Iveco aussi. Ah oui, Iveco aussi, j'ai oublié Iveco. Tu veux pas me donner le classe? Ah. Mais si, on va avoir le classe, on pourra surfer sur le classe. Ça, c'est trop classe. C'est pas fait exprès. C'est vraiment pas fait exprès. Lui aussi, il a dit le classe, il est vieux, mais il reste trop classe. Classe. Malheureusement, il ne peut plus nager comme il le faisait autrefois. Ah non. Merci d'avoir écouté ma petite histoire. Ah. Technique secrète de navigation. Surf, quoi. Je veux dire, mec... Et on va faire du surf sur Pikachu. Bon, bah... Comment tu veux, non? Ah, t'imagines? T'imagines, tu lui montes dessus et tu fais... Allez, tu le tiens par les oreilles. Let's go, Pikachu. Ouais, c'est surtout, il est tout petit, enfin, on va pas... Bah oui, il va couler. M'en aise. Il m'a convaincu, je lui ai enseigné la technique secrète. Flip, plof, en équilibre sur ta planche, t'es au top, flip, flop, sur les courants glissent non-stop. Alors ça y est, quelqu'un, c'est Asténia, hein, qui a utilisé le mode chant et concret depuis hier, il arrête plus, quoi. Pikachu se convertit en planche de surf, exactement. Oh, t'imagines. Mais bon, il donne aussi la planche. Regarde comme il a l'air tout mignon sur son truc là, à côté de Loclès. Regarde. Chevauchez les vagues ensemble et glissez sur les courants de votre destinée. Mais quel poète! Je ne vois même pas à quoi il ressemble le Raichu d'Alola, parce que j'y suis pas encore, j'ai vraiment seulement commencé là. Peut-être pour ça. Moi je sais même plus. Je crois que j'ai un Pikachu. Moi j'ai. Parce que j'ai un Pichu. Quand tu te rends compte, je suis à 134 heures même plus et j'ai 125 Pokémon sur Alola. Clip, est-ce que j'ai mis la commande clip? Ah, je ne suis pas sûr qu'il y ait la commande clip. Hein? Ah, t'as voulu clipper le champ de concret? T'as pas mis la commande clip? Je ne sais pas si ça marche. Ça ne marche pas. On dirait moi avec mes cheer fail la dernière fois. Attends un petit peu. Un petit peu. Bah oui, en plus concret adore les clips et tout, et il met pas la commande clip. Bah je ne savais pas forcément si je pouvais la mettre ou pas, mais on va... Je ne sais pas si notre bot a la commande clip. Écoutez, on va essayer de la mettre tout de suite. Alors, dans les interactions... Sa queue devient une planche de surf, le Raichu? C'est pas vrai, ils ont pas fait ça. Ça doit être ridicule. Commande... Ah, parce que en gros, sur téléphone, on sait pas le faire autrement que comme ça, c'est ça? Sur quoi? Bah, le clip. Parce que sinon, le clip, tu le fais avec la commande, bah, tu cliques dans l'écran, mais à mon avis, sur téléphone, tu sais pas le faire autrement qu'avec le point d'exclamation clip. Je ne sais pas où ça pourrait être. Tiens, prends ton téléphone et regarde un peu... Je n'ai pas mon téléphone. T'as pas ton téléphone? Bon, on verra ça après, je ne sais pas du tout où ce que ça peut être. Accueil, configuration principale... à mon avis, il y a moyen, mais... Ah oui, bah c'est pour ça, Stésia, ouais. Désolé. Désolé. Clip automatique. Ah oui. Hein? Ah non, c'est qu'en certaines conditions... Ah oui, la commande clip est disponible. Ils disent quoi ici? En complément... Ah. Bah, on n'a pas activé ça. C'est compliqué, hein. Non, mais il faut... C'est payant. C'est payant? Mais regarde. Oh! Ah, c'est payant. Ah, c'est avec la version payante de Wisebot. Et de toute façon, concret, c'est dit que peut-être qu'un jour, on y viendrait, donc voilà. Ah, c'est... Ah, on verra, quoi. Bah, c'est vrai que la version payante de Wisebot, bah, ça ajoute ça, c'est quand même pas mal. Mais on sait peut-être le faire dans tu dis directement, hein. Bah, on va investiguer, enfin il va investiguer ça. Maintenant, c'est dommage, c'est un petit peu tard parce que j'aurais pu appuyer sur le bouton clip chez nous. En
En fait, tu fais le point d'exclamation clip et nous on c'est fait. Ça, et nous on appuie. Ce sera une version manuelle. Bon, ben on va continuer sur la route 15, on va prendre des. Pink Pony qui s'arrache les cheveux. Oui, alors ça va. Pink Pony, on t'a remplacé. On n'a plus Galoppa pour le moment. On t'a remplacé un peu. Ah, on a eu un super ossatueur. On a eu un ossatueur de feu. On a mis Pink Pony dans la boîte. Que quoi? Mais oui, on a osé. Mais faut voir le ossatueur qu'on a récupéré. Mais oui, parce que, attendez, là. Et surtout parce qu'on s'est dit qu'on allait peut-être refaire un Pink Pony. Non, c'est surtout parce que... Peut-être, mais attendez, je suis désolé. Enfin, c'est juste méga trop classe, quoi. Ouais, il est un peu classe. Je suis pas seul, mais je ne sais pas. Je peux l'appeler Pink Pony aussi, si tu veux. Non, hein. Mais non, c'est pas un poney. Bah oui, il est magnifique. Non, il est beau. Trop bien, quoi. Il est trop classe. Mais en fait, c'est surtout parce que Galoppa, en fait, il avait pas de lance-flamme. Et donc, il avait juste danse-flamme et déflagration en feu. Et c'était pas hyper opti en Pokémon feu, quoi. Donc, voilà. Mais on va sûrement en refaire. Au on VIP. Il a même pas le VIP. Oh, Pink Pony, je suis désolée, t'as rien. Oh. Il chie du feu, c'est vachement plus classe. C'est vrai. C'est vrai. Et t'inquiète, hein, il n'est pas, on ne l'a pas relâché dans la nature, on l'a gardé précieusement. On peut le remettre, hein. À la place de qui? Parce qu'il faut avouer que quand tu galopais sur Pink Pony, c'était quand même vraiment classe. Rapace de pique, on n'a plus besoin parce qu'on est attaqué type vol maintenant avec Pikachu. Ah bah oui. Tu l'as pris, Pika-Piqué, là? Bah évidemment. Ah bah oui, vas-y, alors on s'en fout. Ouais, voilà, ça y est, c'est bon, tu nous as eu à la... À la loyale. Bon, du coup, tu regalopes sur Pink Pony, alors. Hein. Oui. Est-ce que je peux te mettre sa tueur, voir comment il est derrière toi? Ouais. Et en fait, moi, j'ai envie de tester, voir s'il n'y a pas des bonnes attaques pour Galoppa. Ça, on n'a pas regardé. Bah, si, on n'a rien. Tu crois vraiment qu'on n'a rien? Regarde, il fait sac. C'était. Coup de boule. Il peut même pas apprendre ébullition, comment ça? C'est quand même un peu de l'eau, quoi. Y'a rien, hein. Ouais. Y'a rien. Ah, tunnelier, mais ça c'était fort, ça. Mais on va pas lui apprendre tunnelier. Ouais, mais il a des attaques qui ne servent à rien, je crois. Au chantage émotif, mais oui, c'est ça, en fait. Garde à la place d'écrasement, peut-être. Ouais, vas-y. 6500 et double pied, c'est 3000. L'écrasement est peut-être meilleur en fait, hein, parce que 30, ça fait. Ok, c'est combat. Mais c'est combat. L'avantage, c'est que combat, ça va être efficace contre certains. Écrasement, c'est normal. Je crois que normal, c'est efficace contre rien. La violence de Rapace depuis qu'il n'a rien demandé. Ouais, mais c'est pas grave. On l'a bien gardé longtemps et tout. Et on l'a joué une fois en plus. Ouais, on a fait une arène avec lui. Être content. Ah, ce que je veux dire, c'est qu'en 15 heures de jeu, on fait une arène avec lui, c'est tout. Ouais. Moi, j'avais surtout un Pokémon de type vol pour apprendre vol. Mais vu que c'est Pikachu qui fait tout ici. Attends, mais on voulait voir où c'est tueur. Pourquoi il a pas ses flammes? Il a pas son Oski. Bon, il est quand même classe. Mais il a pas ses flammes. Je te remets Psychoquack. Non, laisse-le. Là, objectif 50 Pokémon. 50 différents, hein. Oui. Ouais. Je joue qui moi du coup? Ah! J'espère que le son est bon d'ailleurs. Le jeu, t'as tué? J'ai un peu diminué. Ah bon? Le son du jeu. Pourquoi faire? J'avais l'impression que c'était fort lors du précédent live, donc j'espère que le jeu est encore assez parti. C'est des poils. En fait, j'ai un peu baissé le son du micro, je pense, et un peu le son du jeu. Pardon. Mais pas dans la même proportion. C'était bien avant, c'est bien. Mais voilà, si c'est bien, c'est bien. Ah, pour ça, je préfère évidemment les lives de Mewen parce que je les regarde à chaque fois et donc c'est très facile de. Je les regarde à chaque fois. Mais non, ce veut dire que c'est ce mec, quoi. C'est très facile de gérer je évidemment suis ton les sons, premier quoi. Fan. C'est pas ça que je voulais dire. Ah là là. Elle le fait exprès. Je les regarde à chaque fois. Et j'ai Pink Pony. Voilà.
Ah, je l'ai pas vu, ah, mais... Ah, j'ai rien pour aller voir. Mais Wen n'a pas son téléphone, je vais regarder tout de suite, Gigli. Et si je me tourne, je vais me bloquer le dos. Pokémon. Oh mon dieu. Ah oui, c'est ça, la planche de que tu dis avec sa queue. C'est moins ridicule que ce que je pensais. Je préfère le Mais je préfère le normal, ouais, moi aussi. C'est pour ça que c'était vraiment plus ridicule. J'avais en tête une énorme planche de surf, voilà, mais... C'est pas mon préféré. Par contre, il nous en faut des nouveaux, là, parce que... Vas-y, je t'en... Ah ! J'ai vu une Pokéball. Ouais. On n'a pas d'ailleurs Voltorb. Ce serait bien d'en croiser un. Oui. Canon envoie Caninos. Tu vois, j'ai bien fait de te laisser Aqualie. Oui. Mais je m'en fous, j'ai Picasseur. Je sers à rien, moi, du coup. Picasplash. Picasplash. On va voir à quoi elle ressemble, l'attaque. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, à mon avis, des attaques de feu qu'on a peut-être ratées. J'ai pas forcément parlé à tout le monde. Oh, mais non. Ah ouais, forcément. Pika pika. Y'a quoi d'autre? Donc y'a pika sprint. Pika splash. Pika splash, pika piqué. Pika piqué. Et est-ce qu'il y a une attaque autre, genre type feu ou plante? Pika flamme. Tu peux apprendre la place de tonnerre en fait. Vu que j'ai piqué sprint pour le foudre, si je sais mettre une feu et on a un Pokémon. Un Pokémon qui sert à tout. En fait, ils ont fait exprès pour que tu le gardes automatiquement, quoi. Et genre dans la version Evoli, t'as ça avec Evoli, t'as ça avec Pikachu. Ah bah avec Evoli, j'imagine. Et du coup, tu peux pas le faire évoluer. Ça marche comment ça? Ah, Pikalumette. C'est une bonne question. Ah, bien, Pikalumette. J'aime bien. Ouais. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Ça se trouve, c'est ça. Non. Ils ont de l'humour, mais pas autant. Moi, je joue quand? Ah bah ici, tu pourras pas, là, y'a que des Caninos. Ouais, mais bientôt, je pourrai plus jamais, parce que t'auras tous les trucs, quoi. Voltorb, vous allez en croiser plein à l'usine électrique. Ah oui, à l'usine électrique. Eh, y'aura Elector. Il y aura des Magnéti. Il y aura Elector. Magnéti. Elector. Magnéti. Elector. Ah, le évolue de Let's Go n'évolue pas. Bah oui, mais je me doutais bien. Tout comme le Pikachu, en fait, de celui-là n'évolue pas. En fait, c'est logique. Pika-bière. Par contre, il y aura peut-être vraiment Pika-glace. Il y a deux types glace. Ça, c'est le droit qu'il fait. Ça me paraît possible. Pika-glace. Pas dans une glace. Ce ne sera pas aujourd'hui. Il y aura des sushis déjà. Ouais, trop bien. C'est moi qui vais avoir envie de glace, mais je ne peux pas. Une on a dit la semaine prochaine. Potion. Un petit magnum aux amandes. Oh. Il y a tous les Pokémon qu'on a là. On voit des nouveaux Pokémon. La Jupika. Ouais. Imagine ça, tu fais une petite bière. Ça marcherait assez, trop bien. Mais à fond. Avec plein de noms Pokémon. Les statistiques de base sont aussi boostées. Ok. De quoi? Bon, en fait, les statistiques de base sont boostées. Ah, comme il n'évolue pas. Ok. Bah, pourtant, il n'était pas si fort que ça. Hein. Qui ça? Bah, Pikachu. Bah, il s'est fait démonter la face 20 milliards de fois, quoi. Mais oui, mais ce qu'on joue que lui. Quand même. Hey, why me? Eh oui, empoisonné, je n'ai plus que un total soin. Oh. Ce sera pour toi. Oh. C'était nul. Et j'étais pas censé le tuer. Ah bon? Bah, tu fais tout à chaque fois tout seul. Moi, j'ai fait ballon, comme j'aurais pu faire... comme j'aurais pu faire... Météore, tu vois. L'ébullition aurait pu être bien. Là, mais est-ce que tu veux, parce que de toute façon... On est, oui. Là, on est tranquille. Pam,
On ne monte plus beaucoup là en XP. Faut qu'on attrape des Pokémon. Ah, la tête qu'il a en mode no way! Donc ici, on essaye d'avoir au moins les 50 Pokémon pour retourner à l'arène précédente. Y a pas de Pokémon qu'on n'a pas. Mais c'est pour ça qu'il faut continuer. Et prochaine ville, on achète des... Total soin. Ouais, des choses. Des antivenins. J'ai même pas le temps de monter dessus que... Il a shippé des Pokémon, mais quelle honte! Quelle honte! Ernest. Je suis pas fier de toi, Ernest. Il lance ton Pikachu, je sais pas, ça me fait rire. T'as pas de Pokéball, du coup tu lances ton Pikachu. Je sais même pas si je peux le mettre en... C'est fort le... l'eau contre lui. Fais vol. Vol, ouais, contre le sol. Ouais, ouais. Seul combat, c'est seul combat lui. C'est combat. Qui ça? On verra ce que c'est en plus, piqué. Ouais, c'est pour ça, j'ai envie de voir. Mais ça échoue. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! C'est pas mal. C'est super efficace d'ailleurs. Pourquoi les ballons? Il faut bien qu'ils s'envolent, c'est oui, pas faux, quoi. Bien sûr, mais c'est... Voilà. T'imagines, en vrai, tu dois accrocher Pikachu à des ballons. Gonfler les ballons, l'attacher. Gonfler les ballons, attacher Pikachu. Faire en sorte qu'il y ait assez de ballons pour que ça monte. T'as donné une petite aiguille à Pikachu. Ou alors toi tu les tires avec un truc. Et après seulement il peut faire son attaque. C'est pas très rentable. Et t'as vu, je m'améliore hein. Non mais t'inquiète Lily, je suis là pour ça. Moi je me dis que j'avais un bon feeling parce qu'honnêtement j'étais plus sûre. Mais j'avais un bon feeling en tête, genre mon inconscient me disait vas-y. Non mais ça va mieux. Ça va pas mieux, c'est toi qui m'as dit mais t'es sûr? Bah oui mais du coup ça va mieux. J'ai eu la bonne démarche. Et par contre, là, c'était naze. Non, il a pas dit que c'est pas très efficace. Regarde, c'est pas pire, hein. Ouais, c'est vrai. Acide armure. Acide. Acide. J'étais sûr que t'allais dire ça. Tonnerre. Tonnerre. Météore. C'est vrai qu'il a une bonne tête, Aquali. Tu parles un peu comme un cube de toqué. Comme un cube de toqué. Ah bon? Cube de toqué. Déjà, Aquali. Très bien. Tu gères. Pas possible. Eh bah si. Eh bah si. J'ai envie de faire de l'attrape Pokémon, là. Mais moi aussi, ça me manque. La capture. De l'attrape Pokémon. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Pokémon, j'ai pas l'impression qu'on l'a. On l'a. Ah si, c'est un Ortide. Ouf. Oh, regarde, il est tout content. Vas-y, parle-lui. Extrêmement fier de votre victoire. Ping Pony est très... Elle est extrêmement fière de notre victoire. Très bien. Oh, Ping Pony. Ah bah c'est bon, t'as sauté dessus. C'est lui qui m'a attaqué. Mais tu vois, il n'y a pas le parc safari. Parce que lui, un insectateur, c'était uniquement que dans le parc safari. Ouais. Attends. Et je suis pas là. La dresseuse de soutien. Oh le cri, je suis désolé, je voulais pas crier comme ça. Attends, sac. Bah, c'est beau. Bon, c'est bien. Mais c'est rouge. Non, hyper ball. On a plein. Regarde, 64. On a plus hyper ball que tu peux. Pas la master ball, hein. Purée, un jour, on va se planter. Vas-y, sac. Hyper ball. Attention. J'ai pas compris parce qu'en fait il y a les deux. Qui c'est qui l'a eu? Qui ont été séparément, les deux l'ont. Ça a pas marché d'ailleurs. Ah, vas-y. Mais. Eh, pourquoi on l'a pas en même temps? Prochaine. Mais la vache! Bam! Mais. Attends. Deux types qui sont bons pour être efficaces, sauf que ce soit... Ouais, tout ça, il faut juste en savoir plus ou moins un pour truc et c'est bon, quoi. Yay ouais. Ah. C'est ça, si au moins t'en connais un pour chaque type, bah tu t'es débrouillé, quoi. Insécateur. Deux, c'est encore mieux, mais ma mémoire n'ira pas jusque-là. Ah, j'ai regardé du coup le tableau de Temtem et je... Ah. Va falloir que je l'imprime quoi, il y a des autres trucs pour moi. Il va se le coller sur son petit bureau. Oui, mais vraiment, on va le plastifier. Ouais, ouais. Et en tapis de souris. C'est bien ça. Dessous le tapis de souris, tu veux dire. Tu vas glisser dessus, ça va être naze. Ouais, moi je joue à la manette. Ah oui.
Bondissant hors de l'herbe. Ah bah c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. J'aime bien un skater. Il est assez classe. Ben voilà. Attends, mais attends, il y a peut-être d'autres trucs qui vont sortir de... Ouais, mais attends, il y en a là-bas des bouchons. Attends-moi. Et pourtant, je suis en train de courir. Hein. Oui, mais là, tu sais rien faire pour le moment. Et... Là, tu peux venir. Ça y est. Ah, ça y est, bon, je suis. Regarde là, c'est quoi? C'est un... Oh! C'est quoi? Je sais plus ce que c'est. Paramite. Un paramite. Ah oui, c'est une mythe. Aéromite. Aéromite. Y'a pas... Aerosmith. Ah, les blagues pourries avec Pokémon, c'est un truc de dingue. Ça fuse. Paramite, c'est quoi ça? Je me demande si c'est pas dans Oddworld, les paramites. Bah oui, c'est pas... Bah oui. Bah oui, c'est les trucs que c'est, tu... C'est, c'est les gros machins qui font... Y'en a plus. Y'en a plus. Bah oui. Y'en a presque plus. Monter de niveau. On prend beaucoup plus d'expérience avec la capture. Tiens, Pascal, si jamais c'est comme ça qu'on récupérait les Pokémon, en fait. Donc dans la nature, ils sont là, on va dessus, on balance des Pokéballs et on les récupère. Voilà. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît, hein. Faut être coordonné. Ouais, mais c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Le système de capture, j'ai vu que beaucoup de gens ne l'avaient pas aimé. Moi, je le trouve génial. Sur Lite, où t'as pas le choix de faire comme ça, ou quand tu veux jouer en portable, là, tu dois le faire avec le joystick, tu te fais... En portable, c'est moins drôle. Mais moi, ça, je préfère ça au système classique. Hein. Ça, j'aime bien. Aerosmith. Bien. Je t'attends. Oh là. Je n'y suis pour rien. Ça fait super mal. J'ai le dos, mais... Pourquoi elle est retournée, elle? Vas-y. Dans le coin, il n'y a que des lasseurs super balèzes. Bah, vas-y. En garde. Ah, tu préférais les affaiblir. Moi, j'aime encore bien ça, justement. Mais, ouais, bon, c'est vrai que c'est quand même plus facile. Hein. On est d'accord. C'était plus facile, bien sûr. Ah, ma chopper. On sait pas ce que c'est que ma chopper. Vol, du coup, c'était bien ça. Je crois que j'apprends là. Moi, je sais pas ce qui est bien. Non. Non. Bah, l'ombre alors. Bah, tant pis. Oh, celui-là, ça peut brûler, donc je me dis bon. Super efficace, bravo. Ah, il est niveau 40 quand même. Ébullition. Bien. Ah, ça va. C'est pas si mal, ça, du coup. Magmar. Je vous allais dire un truc, attendez, il n'y a pas plus... Ah non, non. Et rien n'est venu. Pas toujours. Quand Concret, il est convaincu de ce qu'il fait, il fait des... Ah non. Je préfère, c'était là, bon. Là, il met son, il sait que qu'avec son splash, c'est pas super efficace. Du coup, t'es la mode. Ha. Pas tant que ça, visiblement. Tu vois, il appuie avec plus de ferveur sur sa touche. Ah, ah oui. Quand même, hein. Oh. Et je n'ai plus de... Total soin. Ouais. Et en plus, il est paralysé. Ah, ou c'est moi qui ai fait ça? Non, c'est moi. Il est mort. Ouais. J'ai peut-être un anti-brûlure. Akakouak, c'était avec les échanges. Akakouak. J'ai du mal à dire là. Akakouak. Je ne sais plus. Point de feu. C'est pas une pierre eau. Je crois que c'est une pierre eau. Ah, on va peut-être mettre point de feu sur notre statueur. Sur Galopa ? Ouais. Il n'y a pas peut-être. Le point. Bon, on verra. Patte de feu. Sabot de feu. Ah, il ah, peut tu pas. Vois, il n'a pas de point. Pas de bras. Pas de bras. Donc, on regarde. Lui, il est surtout fort en attaque normale. Et donc, ça tombe. Feu follet, lance un bouquet de flammes maléfiques ennemies. Ah, oui. Bah, à la place de ça. Feu follet, ça a l'air pas terrible. Ouais. Il apprend point de feu.
failli tomber. T'as failli tomber. Eh oui. Tu vas me battre avec tes Pokémon. D'accord. Bonjour. La politesse, quoi. Becky. Becky, la politesse. Sac de nœuds, mais on l'a dit tout à l'heure, ça. Le feu est fort. Ébullition, peut-être. Oui. Tout à fait. Ça fait du vol. Là, j'ai loupé un commentaire de lui. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Non, parce que j'ai un câble. Maëwen pense qu'elle a raté un de tes commentaires, Guigui, mais je ne sais pas. Par rapport à quoi? Ah, c'est bon. Attends. Je crois que c'était celui-là. Sac de nœuds, c'était pas terrible en fait. Yeah, sprint. Vas-y, à toi. Ah ouais, c'est celui-là. Le meilleur. Voilà. Ouais, légende Arceus, bon, on verra. C'est vrai qu'on a encore très peu d'informations. On verra un peu à quoi ça ressemble, celui-là. Quoi? En système style A, Active, T-Time, B-Battle, ça veut dire quoi? C'est à ton tour. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Help me! Et Concret non plus, sinon il m'aurait expliqué. Concret, il a dit oui, et en fait il a pas compris. Ah, j'ai pas dit oui, j'ai dit qu'on ne sait pas ce que ce sera dans Legend Arceus. Mais ça veut dire quoi du coup en système A, Active, T-Time, B-Battle? Du demi-temps réel. Le demi-temps réel, c'est peut-être, corrige-moi si je me trompe, un peu style les FF ont fait ça. Où en fait t'as du cooldown sur tous tes sorts, et en fait tu peux bouger, c'est actif. Mais en fait c'est quasiment du tour par tour, parce que tu as un temps sur toutes tes compétences que tu peux mettre à ce moment-là. Et oui. FF13 avait fait ce système-là. Ah, je sais pas si ça se dit à la même chose. Moi j'avais pas spécialement apprécié FF13 de base, j'ai pas... Le système de combat était particulier. Il y avait tonnerre aussi, hein. Le problème, ça avait pas de dégâts, mais c'est fort car ça brûle assurément. Ok. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que. Ouais, mais ces stacks sont diminués, ça pourrait être bien. C'est des super attaques quand tu fais du solo et quand tu veux un peu faire de l'opti avec des choses comme ça. Mais nous, honnêtement, à deux là, il nous faut des sorts qui attaquent tout de suite fort. Enfin, voilà, parce que. ça sert à rien. Ça se finit en deux tours. Ça se finit en deux tours, voilà. Donc c'est pas intéressant de prendre des sorts qui. Ah, je vais mourir là avec. Oula, Pikachu va mourir, hein. Quoi? Comme quoi c'est fort brûlure. Ah oui, mais brûlure c'est très fort, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que normalement on joue pas assez longtemps pour pouvoir... avant que ça serve vraiment, quoi. C'est super efficace! On arrive où, là, d'ailleurs? J'ai continué la route sans aucune idée, c'est juste pour attraper des... On se promène. Des nouveaux Pokémon. J'étais trop impatiente, trop greedy. Trop greedy, Becky. C'est ça qu'on aurait pu dire aussi, greedy, c'est impatiente aussi. C'est impatient. C'est gourmand et impatient. Ouais. Ça, c'est un peu le mélange des deux. Hein. Ouais, ouais. C'est le fait de pas vouloir attendre. Oui, c'est ça. C'est ça, Gligli, c'est celui que je regardais. Ah, oh, merci beaucoup. Franchement, je me disais aussi que j'en avais loupé un. C'est après, en fait, je finissais mon espèce de phrase sur les camions et après, j'ai zappé. Ça fait désolé. Ça fait vraiment trop plaisir. On l'a pas en plus. Mimitos. Comment c'est Mimitos, c'est ça, non? Comment tu lui as sauté dessus, c'est le Pokémon framboise? Ah bah, si on l'a. Mais si, on l'a eu tout au début. Regarde, on a une Pokéball. Ah oui. Pourquoi il est là, lui, maintenant? Genre, il nous met des Pokémon en double. Ouais, il y en a plusieurs. Bah, en double, ils sont... dans la nature, quoi. J'aimerais bien éviter les combats, là. Mais non, allez,
Mais là, là, t'es parti pour une rangée de combats, là. Je veux des hautes herbes. Je veux des hautes herbes. Non, mais des hautes herbes avec des Pokémon qu'on n'a pas. Là, on a des Pokémon, donc il faut avancer. Quand même des combats tout le temps. Hein. Ah bah heureusement, vu qu'il n'y a pas de combat de Pokémon. Ouais, ça, c'est le système, notamment dans les FF. Quoi. Ah bah voilà. T'as ta barre d'ATB qui... Oh Kikune, il va pas durer longtemps. Quoique, il est level 40, hein. On verra, de toute façon, le Arceus, on le fera hein, sur la chaîne, donc on verra bien. On verra bien à quoi ça ressemble. Comme à chaque fois, moi, je me ferai uniquement mon avis en y jouant. Il nous a fait, là. C'est beau, ça. C'est quoi, ce sort? C'est quoi, ce sort? J'ai pas lu. Attends. Surf. Ah bah oui, c'est surf. Merci, Guigui. On n'en fait jamais trop. Parce que on a eu aussi des clients en magasin, des fois qui font des compliments, ils sont là, ah, je suis désolé, je suis trop compliment, mais non, t'es en mode, mais ça fait trop plaisir, vous arrêtez surtout pas. Bon, j'irai quand même peut-être bien dans une ville. Non, histoire d'acheter des rappels, des anti-parades, des anti-brûlures ou... Il t'a entendu en mode... Non, c'est et bon. Oui. Je gère, concret, c'est bon, t'inquiète. Je peux aussi parler aux Pokémon. Ah, oh, c'est trop beau. Ça les repique et pique. Avec Aquali. Une potion. Ah, il y a des potions dans le sac, hein. De l'eau, c'est bien. Je crois que l'eau, c'est bien. C'est tellement loin et on en sait si peu. Bah bien sûr, ouais. C'est ça. Surtout vu ce qu'ils nous ont montré, on en sait vraiment. Terrible, ça. T'as fait du vol? Mais mec, je peux pas te laisser 30 secondes tout seul, quoi. Oh. Mais oui, mais n'importe quoi. Le mec, il fait vol sur un Pokémon seul. Ah non, mais là, on a atteint un niveau... Oh là là. Vas-y, prends Psycho. Ça le fragmenter un peu. Mon dieu. Vol sur sol. Bah oui, mais... J'ai pas regardé et je le vois faire Poképiqué. Ce nom, il est terrible, par contre. Ah, j'ai testé. Psycho. J'ai cru. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Moi franchement je suis pas la... On s'est fait rire. Je suis pas la meilleure en type, mais il y a des trucs quand même assez obvious. On est pas un peu mal là? Non, on est bien. Vas-y Pink Pony, sauve-nous. Tu prends qui toi? Bah Rafflesia. À gauche. À droite. Bon, on aurait peut-être quand même dû aller du coup dans une ville après. Ouais, oui, bon là peut-être, oui, là j'avoue, ils vont pas tous se réveiller en mode c'est bon, t'inquiète, concret, on gère. Allez, on est reparti. Tunnelier. Non, 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 c'est du sol. Double pied. Oui. Ça c'était bien, oui. Non? Ou pas en fait. Oh la vache, c'était dur. Ah c'était dur. Ils sont, les coachs, ils sont quand même un peu puissants par rapport aux autres. Ah, feu sur eau, pas tout de suite. Ça va encore. Pas tout de suite. Quand? Jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Ouais c'est vrai. Dodrio. Oh, dommage. On va lui envoyer une déflagration. Ah mais bon, il aurait fallu faire un piquage. Par contre, moi, je suis mal du coup avec Rafflesia maintenant, là. Oh. Ah bah oui, mais empoisonne-le. Ouais. Assurons le coup. J'aurais pu faire un... Aïe, bec vrille. J'aurais pu faire un...
Un quoi? Un trancher, ça aurait été. Ouais, ou une méga sangsue. Pour récupérer un petit peu. Ouais. Ou acide, pour faire un peu de dégâts. Ou acide. T'arrives pas à le prononcer normalement. Non. On va quand même le faire, même si ça sert à rien. Ah, il va mourir avant. Bah oui. On va aller se reposer. Pauvres Pokémon, ils sont pas rendus avec nous. Hein. Ouais. Selena. Oh, j'ai perdu. Ah, c'est passé à ça. Hein. Ouais, parce qu'après, on avait plus beaucoup de... Ah non. Qu'est-ce qu'elle va nous donner? Ah, rien. Rien. Où est-ce qu'on était, carte? On est vraiment... au milieu de rien, quoi. Et quoi? Voilà. Ouais, il faut qu'on regarde combien est-ce qu'on a de Pokémon, d'ailleurs. Je sais plus à combien on est maintenant. Bon, on n'a pas beaucoup augmenté, hein. Ouais, c'est ça, les points... Ils ont les petits points de ponctuation. Ils sont en train de réfléchir, ouais. En mode... Ou alors, ils se parlent tout seuls. Ça marche aussi. Mais oui, occupe-toi de nous. Mais oui. Il n'y a plus rien. Ah si. Tu peux nous faire un... Thé ? T'en as plus ? Non. Je crois que j'allais faire chauffer de l'eau, mais il n'y a pas d'eau chaude. Bah oui, du coup, faut que tu fasses chauffer de l'eau. Ouais, mais... On verra ça après. Je vais aller, hein. Non. On doit refaire tout le... On doit refaire tout le chemin. Ah oui, t'inquiète. À boire. Ah bah voilà. Et on... On n'a rien à boire. Bravo. Vas-y, je vais faire du thé. Non, mais je vais y aller du coup. Mais non, je vais y aller. Sûr. Mais oui, hein. Bon bah, Mewen va y aller. Pendant ce temps-là, je vais essayer de capturer. Ah non, capture pas sans moi. Je capture pas sans toi. Okay. Ah vas-y. Sauf si tu tombes vraiment sur un Pokémon qu'on a pas. Là, Tauros. Oh, Tauros. Bah voilà, je reste là. Ah ouais, il est trop classe. Rah. On est en Hyper Ball là, de toute façon. Vas-y, faut que tu viennes. Reste de soutien arrive. Aïe! Oh. Joli. T'as encore craqué, hein. Faut la faire moins fulgurante. On est devenus des pros. Je vais aller m'acheter des rappels, des anti-paras, des anti-soins, des total soins. Anti-soins, c'est pas très efficace. Des anti-soins. Pourquoi faire? Alors, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Grincement, est-ce que c'est bien ça? T'as pas l'air terrible vu comme ça. T'as l'air naze, c'est naze grincement. Ah oui, enfin c'est naze. Encore une fois... C'est peut-être très bien. Ce n'est pas une attaque. C'est du renfort. C'est du soutien. C'est du soutien, comme moi. J'ai 80 ans. Eh ouais. Tauros, on arrive à combien là du coup maintenant? On arrive à Pokédex 48. Ah, il en manque deux. Et où est-ce qu'il y aurait des Pokémon type O? On n'a pas nos Pokémon type O. C'est ça que j'ai cherché à la base. Hop. On va aller chercher des petits de quoi nous soigner. Ça me paraît pas une mauvaise idée, ça. Sac carte. Hop, ici. Donc des rappels. Des anti-poisons. Anti-brûlures. Et d'abord trouver la... On avait été ici. Ah non, mais ici, il fallait 50. Il fallait 50 espèces ici. Ah, une petite boutique. Qu'est-ce qu'ils ont? Hyper Ball, on en a 55.
Voilà. Ah, on a eu des Honor Ball. Excellent. Donc ça, c'est fait. Les hyper potions après antidote. Ça soigne de quoi, ça? Empoisonné. 10 antidotes. Antibrûle, 10. On va se ruiner. Réveil, 10. Allez, on fait tout à 10. Dommage qu'on ne sait pas faire des achats groupés, là. Ça aurait été bien. Anti-paradis et 10 total soins. Bon. Ça et les rappels, et on est tranquille, non? J'ai déjà pris les rappels, peut-être. Non, j'ai pas encore pris les rappels. Voilà. Là, ça me paraît bien. Parfum, attaque plus, c'est bon. Je vais quand même aller voir l'arène ici. Je me rappelle plus si c'était celle-là qui demandait 50 ou celle d'avant. Je crois que c'est celle-là, mais je ne suis plus certain. Comment je fais pas? Ah, c'était par là. À boire. Ça arrive, mais Wen est parti chercher. Je sais même pas si j'ai même plus d'eau, moi, ici, on a vraiment plus rien. 50 espèces, 48, il t'en faut au moins 50. Ça fait rien. On est reparti sur la route. On en a raté plein, évidemment, avant. On aurait peut-être pu en faire évoluer certains. Je peux pas aller dans l'eau là-bas. Ah, je peux pas sauter au-dessus de la barrière et aller dans l'eau. Visiblement pas. Bon bah on va continuer les combats. Ici on a déjà tout eu. Hein. Hop, c'est parti. Ah mais on est parti faire un thé et un café. Ah, il faut le temps que l'eau chaude, donc ça va prendre un peu de temps. Momo le vaurien veut se battre. Qu'est-ce que je peux faire contre lui? Pika Sprint, c'est bien ça? Ah, presque! Ah si, ça a marché. Ah, Maywen a dit j'arrive. Maywen arrive. Ah, ça marche plus, si j'ai déjà commencé le combat, je ne peux plus utiliser le dresseur de soutien. Ouais. Ah bah tu peux prendre ton ta tablette du coup, donc tiens.
Merci à le café. Et bim! Et du coup, on gagne moins avec le deuxième Pokémon. C'est un peu dommage, ça. Et moi? Ben, on a... vu que j'ai pas de deuxième Pokémon, vu que t'es pas là, ben, on a Aqualie qui gagne moins de points. Il gagne pas autant que s'il a pas le multi... Ben oui, très bonne idée, le café. Hello Mewen. Rhinocorn. Mec, mon magnifique siège massant sur le siège, c'était dingue. Du coup, tu me conseilles quoi contre Rhinocorn? De la flotte ou des plantes. Flotte, t'es sûr? Ouais. Je fais confiance à Mewen. Ah, t'as pas, ta bête du coup. Ah. C'est grâce à toi, Pingoni, hein. C'est toi qui as mis. Il est temps de boire, donc bah voilà, nous buvons. C'est quoi? Non, je l'ai. Goûter? Non. C'est trop bon. Là, ouais, j'ai pas envie. Vas-y, goûte. Non, j'ai pas envie. Goûte. J'ai vraiment pas envie. C'est gentil, mais j'ai pas envie. C'est du chocolat? Oui, mais j'ai pas envie. C'est trop bon. À toi. Je veux bien croire que c'est trop bon, mais. Mais elle a toujours raison. Vas-y, Aqualie, attaque. Cascade. Et je veux bien le café, du coup, s'il te plaît. Il était juste là. Ouais, ouais, mais j'attendais que tu sois... voilà, merci. C'est super efficace. Cascade d'Adi, ouais, t'avais raison. Mais ouais, n'avait raison. Mais oui, elle a toujours raison. Non, c'est pas vrai. Il y a quand même des fois où non. Et j'arrive quand même à l'admettre que des fois non. Mais j'ai ma petite tablette, comme ça je sais remettre ici le... Ouais, ça m'a pas attiré, c'est très bon, mais... Ça ne m'a pas parlé, là. Ce n'est pas attirant? En fait, c'est quoi? C'est du lait d'amande avec du chocolat. Donc en fait c'est trop bon. C'est juste du lait d'amande et du chocolat. Donc rien de particulier, mais c'est super bon. Ouais, ça va faire long pour goûter. Hein. Des fois, quand c'est trop gros, j'avoue tout. Quoi? Qui a dit ça? T'as dit ça? Je ne sais pas, c'est possible, je ne m'en rappelle pas. C'est plutôt toi par rapport à quand à vous t'es trompé. Ah oui, quand c'est trop gros. Non, mais j'avoue tout le temps. Oula, pardon. Ouais. Je voulais pas faire ça devant le micro. Là, ici, ça va aller vite. Hein. Ah oui. Pika Splash! Bim! On devrait faire ça pour lancer les attaques. Ah! Ouais, je fais ça. C'est encore joli, hein, les attaques. Ah, nous, les commerces. Oui, de lundi. Bah, les commerces sont pas déjà ouverts. Non! C'est lundi! Mais certains sont ouverts! Ouais, mais certains sont restés ouverts sur rendez-vous, là, le truc un peu débile. Tout reste ouvert lundi. Tout redevient ouvert lundi. Ça. Le 1er mai. Non, c'est. Non, le 1er, c'est samedi prochain. Là, on sera donc, le 26. Officiellement, c'est le 1er mai normalement, c'est non? C'est le 26. C'est le 26, ah bon. Oh, on crée une vie ici, hein. Ouais, mais. Alors, je suis un ermite, hein, moi. On n'a pas la télé, j'avoue.
Mais on a des infos quand même, hein. Je sais pas comment il fait. Ouais, mais entre le 26 et le 1er, il y a 4 jours. Quoi. Bah, il est... c'est quoi 4 jours sur toute une vie? C'est pas une science exacte. Oh. Donc lui, qu'est-ce qui est fort? Non. Pika Sprint, c'est bien. Ah, j'espère juste pour tous ces gens-là, pour tous les tatoueurs, pour tous les commerces. Ouais, c'est clair quoi. Que cette fois-ci, ça va rester. J'espère vraiment pour eux. Ça peut réfléchir à un voyage. Tiens donc, moi c'est pareil, j'ai un voyage qui m'attend bientôt. Enfin, bientôt, quand on pourra quoi. Ouais. Le même genre de voyage, je pense, Pink Pony. Mais ouais, on a un tatouage qui attend depuis 1 an et demi. Oh, c'est horrible. Bientôt 2 ans, parce qu'on n'a pas pu y aller. De café, non, d'amour et de café, moi je vais lire de café et d'eau fraîche, sympa. Salut Karine. Salut Karine, bon dimanche à toi aussi. J'espère que tu vas bien et que tu passes une excellente après-midi. Un excellent après-midi. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Ouais, ouais, on peut dire une ou un. J'ai un truc dans l'œil. Hop, ma chopper. Là, je dois faire un pique-à-piquer. Ouais. Ouais. Et c'est parti. Et moi, rien de spécial, donc je vais pas. Ça marche pas l'eau contre lui ? C'est un combat, hein, c'est pas un roche. Oui, je vous regarde, donc c'est une super giga après-midi. Hey! Merci beaucoup, Karine. Il nous regarde en train de fail sur des combats Pokémon, parce qu'on se gourre tout le temps de... les billets d'avant pour 2024. Quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, écoute, non, mais écoute ça, quoi. En 2024. En 2024? En 2024, en 2024, on viendra avec plaisir. Oh ouais. Honnêtement, j'ai très peur de l'avion et j'aime pas du tout prendre l'avion parce que j'ai très 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 peur, en vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. En fait, on doit être dans les autres airs parce qu'il n'y a pas que les Pokémon qu'on voit. Je pensais qu'il y avait que ceux qu'on voyait. Mais là, en fait, il est sorti, je crois, juste au moment... Si. Il est sorti, en fait, juste au moment où... Ah, peut-être, ouais. Il a eu, lui. Il m'évite, non? Ouais, c'est l'odeur, ça. Mais toi, je le sens pire qu'un Tauros, quoi. Ça sent le taureau ici. Là. Voilà. C'est ce que je disais. Ouais, donc, mais malgré ma peur de l'avion, ce sera un plaisir de venir au Canada. Ah, on a failli perdre. Ça, c'est vrai. Failli, ouais. Il y a un combat qui était limite. Maintenant, ça va aller mieux. Tout va aller mieux. Grâce à notre pop-pom girl officielle. Elle a du sprint. Comment t'as osé réfléchir? Comment t'as osé réfléchir? C'est un vol électrique. Flamme. No mercy. Et moi ça. Eh oui. Je crois que tu vas échouer. En deck. Faut pas qu'on passe ça. Faut arrêter d'imiter les cris des Pokémon 8 bits. Hein. Vous pouvez avoir la chambre d'amis chez moi comme Airbnb, c'est gratuit. Mais gratuit, oh, trop bien! Ouais, mais. En plus, ça fait longtemps qu'on veut aller là-bas. Je voulais dire, on viendra pas les mains vides, mais qu'est-ce qu'on peut ramener de Belgique? Du chocolat, de la bière, des frites. Tiens, Gligli, on t'a ramené des frites. Elles sont encore tièdes. Elles sont un peu molles, mais bon. Quelle horreur! Ah non, à mon avis, elle serait pas molle, elle serait complètement durcie. Est-ce que t'as le droit d'aller avec tes frites d'ailleurs dans l'avion et de ressortir avec? Qu'est-ce qui te laisse rentrer avec des frites? Je pense pas. J'ai un petit cornet. Allez, c'est juste pour amener à quelqu'un. Non mais au Canada, ils ont quelque chose de plus encore que les frites en Belgique. Voilà, j'allais dire la poutine. C'est quoi la poutine? Oh, au Canada, ils ont ça, je crois. Tu me dis si je me trompe, Gligli. C'est des frites avec... genre du fromage fondu par-dessus.
C'est ça la poutine, c'est les frites au fromage fondu par-dessus. Je sais pas ce que c'est. Des gaufres et frites, bah ouais, c'est ça quoi. La poutine. Je ne connais absolument pas. Alors, c'est très très connu. Ah oui, il y a un peu de tout quoi. Les boulets liégeois. La viande et une sauce. Mais non, il parle peut-être de la poutine. Ah bon ? Avec la poutine ? En tout cas, en Belgique, il y a aussi plein de trucs un peu. Il y a aussi plein de plats traditionnels très très bons. On était chez un ami il y a pas très longtemps, il nous a fait des boulets. J'ai toujours envie de dire boulets, ça se dit des boulets, c'est comme ça, des boulets liégeois. Liégeoises ? Liégeois. Des boulets liégeoises ? Je ne sais pas. Mec, t'es belge. Mais je sais pas, liégeois, c'est pareil quoi. Ok. En tout cas, c'était très très bon, avec une sauce comme ça, en mijotée, un peu sucrée. Eh, c'est dingue, c'était trop bon. Je crois qu'on dit liégeois. Ou liégeoise, je ne sais plus. Je ne sais pas. Tu traînes trop avec des Français. Hein. Mais je connais pas bien ça, c'est pas par chez moi. Ah non, c'est à Liège du coup. À Liège. Des Pokémon forme de Belgique. Des Pokémon en chocolat. Ça peut se trouver par contre. Ça peut être très bien d'ailleurs. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Et on va les manger. C'est un peu bloc. Ah, montez. C'est moi ? Ouais. C'est un peu chaud encore le café. Hein. Je vais me brûler, mais c'est pas grave. Ça en vaut la peine. Pourquoi ça en vaut la peine ? Ah non, la tasse est un peu plus chaude parce que j'ai jamais boire du café. Ah, je pensais que parce que t'avais dit. Ah non, non. On a dit qu'il fallait arrêter de faire ça. Ah bon ? Tu sais qu'on a. J'ai cru que c'était marqué on a tué machin l'ornithorynque. Ah bon ? C'est marqué quoi ? Bah l'ornithologue. Ah oui. C'est pas l'ornithorynque. J'ai toujours pas été dans l'eau là. Et on arrive où là ? Mais c'est quoi cet endroit ? En fait, on fait que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on combat des gens. Alors qu'à la base, moi, je voulais faire des arènes et capturer des Pokémon. Il y a vraiment beaucoup de dresseurs, en fait, dans le jeu. Hein. Mais je crois qu'il y en a autant que dans l'original. Je pense qu'ils ont mis les mêmes. Comment il remue la queue quand il arrive, j'aime bien. Psycho-Quack ? Non, Aquali. Ah, Aquali. Il fait brrr, et puis il remue ses fesses un peu, j'aime bien, c'est trop mignon. Ah, je ne sais pas quoi faire. Météor. Mais, je voulais faire, c'est pas ça que je voulais faire. Ah voilà, c'est ça, t'as vu ? J'avais loupé Obligli encore. Poutine, c'est frites avec fromage dessus, nappé de sauce. Ouais, c'est ça, c'est un truc bien calorique, mais qui tient bien au corps quand il fait moins 10, quoi. Moins 15, moins 20, je moins, moins pas. 30. Il doit y avoir des versions avec de la viande, non ? Mais c'est peut-être en plus, quoi. Si jamais t'as encore un peu faim. Oh ! Dans Pokémon Lune, j'ai failli t'envoyer un screenshot, mais j'ai pas réussi à le faire bien. Cryopicker. Cryopicker, il est blond. Piqué ou Splash ? Tu te rappelles de ça ? Mais c'est Musclor. C'est tellement ridicule, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. C'est... Piqué Splash ou Pika Piqué ? Splash. Splash. Il y a des mèmes là-dessus, il évidemment. Il est ridicule. Le trio piqueur de Alola, il est vraiment ridicule, j'en peux plus, quoi. Là, quand je l'ai revu, j'ai fait... Ah, oh, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. J'ai vraiment pas compris pourquoi ils ont fait ça. Pour faire Musclor ? Bah non, mais il y a plein de mèmes qui le prennent, du coup. Les mèmes, évidemment, mais à la base, à quoi ils ont pensé en faisant ça, parce que c'est quand même incroyable. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vraiment, allez voir la forme du trio piqueur d'Alola, si jamais vous ne savez pas de quoi je parle. Moi, je me souvenais plus, et franchement, un grand moment. Mais je crois que moi, je l'ai jamais encore eu dans ma partie, mais j'ai vu les mêmes. Ouais. Ah ! Ah ! Suspense, suspense ! Il évolue en aquaquac ! En aquaquac ! Il est quand même pas mal. Aquaquac, il est trop bien. Il est encore bugué pour le dire. Hein. T'as un problème avec Aquaquac. Aquaquac. Musclor, c'est un comic book. Ah oui, mais moi, Pink Pony, je suis mais fan du remix de For Non Blonde
le Musclore. Enfin, c'est mon truc préféré, quoi. D'ailleurs, je ne connais que... Je connaissais pas le morceau original, je connaissais que le remix. Type O, en effet. Pokémon ouais. Canard, mais qui apprend des détails de type psy. Ouais, c'est ça. En effet, t'avais raison, Lily. Ouais. Ah oui, c'est... What's going on? C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça, c'est le même. Je veux dire, il y a vraiment le... Il y a vraiment l'animé Musclore. Avec ce truc-là. Oui, non, bien sûr, mais le même, il est fantastique. Ah, j'ai essayé de passer derrière lui. J'ai raté. T'es qui, toi? Mais t'es qui, toi? Ah, oh, j'ai vu un... Et donc, le même sur Triopicker, c'est trois fois la tête de Musclore en train de chanter. C'est génial. C'est vraiment trop bon. Je le mettrai sur le Discord après. Hey! Hey me! Ah, toi, t'as vu, les gars, le combat a commencé, je suis arrivé. Oui, mais il faut pas que moi j'ai lancé ma première attaque. Là, après, c'est foutu. Ah, oui, bah oui, bah oui. C'est juste au tout début. Bon. Et bim! Ouais. On a même pas vu la barre de vie descendre. Ah non, ça fait. En fait, je suis tombé dessus parce que je recherchais mon même avec mon combo griffe de Piqueur sur Pikachu et. Bon, ça, je l'ai pas retrouvé. Par contre, je suis tombé sur. Ah non, c'est fantastique. On va en faire une emote. Oh oui. Oui. Oh oui. Avec grand plaisir. Sur Discord, on aura l'emote. Ah ouais, ouais. Il est fabuleux, mais à fond. Et je suis où, moi? Ah, je suis bloqué. Oh là là, vas-y, reviens, ce que je fais. Ah non, tu vas pas voir. On va faire le tour. Vous auriez pu mettre la dresseuse de soutien qui court un peu plus vite. Ouais. Ça aurait été bien. Ladislas, le fan de Camping Autobot. Ladislas. Vache. Oh, est... toi. Pyroli, il est pas mal. Pyroli, il est tellement mort, surtout. Je le trouve surtout, plus là. Joli que Aquali. Ah non, moi je préfère si. Aquali. Non. Ah, je préfère Aquali. Pyroli, on dirait un espèce de petit toutou aux personnes âgées. Un peu. Ah ouais? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé. Moi, j'ai vu l'animé Pokémon que pour la première génération, donc j'ai tellement de retard, il faudrait absolument que je. Oui, j'ai pas vu pour les autres. Hein. Bah, j'ai lu un peu ce qui se passait, mais c'est vrai que je ne les ai absolument pas vus. Moi, je les ai pas vus, donc je ne sais pas du tout. Moi, je m'étais arrêté à la Ligue Orange dans les animés. Je sais même pas ce que c'est. Il fait la Ligue Indigo, il perd, il se fait bot genre au premier tour. Moi, j'étais genre, ah non, mais c'est Sacha, il va gagner, c'est sûr. J'étais même là, ça sert à rien dans les épisodes, on sait qu'il va gagner, c'est le héros. Et bam, même premier pas... tour, il perd. Il perd et après il fait la Ligue Orange et là en fait c'est pas des combats, c'est des épreuves où les Pokémon par exemple t'as une course sur l'eau, c'est ça la Ligue Orange, c'est toutes des épreuves à faire et pas des combats, et ça je crois qu'il la gagne, il me semble. Seule qui gagne. Non, la seule qui gagne c'est la dernière, dans la dernière saison, là, il a vraiment gagné une Ligue de combat, je sais plus laquelle, c'est comment la dernière. C'est quoi? Une fois qu'on aura fini notre marathon Marvel, là, on va se refaire tous les Pokémon. Mais j'hésite à me refaire le Pokémon en animé, mais c'est quand même très enfantin, ou faire le papier. Peut-être que le manga papier est un petit peu plus adulte. Regarde, une bonne idée, les films sont super cool. C'est un fiasco complet, mais j'ai oui, pas regardé les films. J'avais voulu regarder celui avec Mew. J'ai jamais regardé finalement. Mais j'hésite vraiment avec les... avec le manga. Je ne sais pas si le manga est pour les enfants. Il y en a combien des mangas? Je sais pas, mais si c'est un vrai manga comme tous les autres. Et... genre, par exemple, Naruto, c'est le bon exemple. Moi, j'avais pas trop suivi l'animé parce que l'animé, je le trouvais assez enfantin. Mais le manga Regarde était vraiment très chouette, il est bloqué. Par contre, j'avais bien aimé le manga papier. Enfin, manga, du coup, papier, on se comprend quoi. Oui. Regarde, il est pas bien. Il a un petit os de bassin dessiné sur ses fesses. C'est bizarre d'ailleurs. J'ai le vent en poupe. Détective Pikachu, c'est pas ça, le... Ça veut dire qu'elle a le vent aux fesses, hein. C'est pas le tout dernier qui a été fait. Enfin, dans, très récent, avec des images de synthèse, c'était ça. Ça me fait trop peur. Ouais, les animés... Ça me fait trop peur, le Pikachu Détective. Je sais pas, quand je l'ai vu, j'ai fait... Parce que j'avais adoré les animés, mais à l'époque, j'avais 10, 11, 12 ans. Quoi. Donc, à mon avis, je vais retomber dessus, je vais faire oui, bon. J'avais bien aimé à l'époque, forcément. Et nous, on s'entraînait à réciter le générique par cœur avec tous les noms des Pokémon, là.
Tu te rappelles pas quand ils ont tous les noms des Pokémon hyper longs? Ah, je me rappelle pas. Ah, si. Ou c'était à la fin des épisodes, ça. Ah, la fin. C'était le générique de fin où il y avait tous les Pokémon à donc, là. Ah, parce que j'avais remis. Pourquoi j'ai fait ça, moi? J'ai fait un ballon, moi. Je me rappelle parce que j'avais mis. Ah, il est bien, le petit Pikachu. Ah, bah alors là, écoute. J'avais mis le générique de début sur. Quand j'avais fait épée bouclée sur le premier épisode. C'était fait strike. Ouais. Ah ouais, la vidéo a été supprimée. Oh, carrément. Ah ouais, j'avais dû découper la séquence. Ah oui. C'était... Ouais, mais sinon elle n'apparaissait pas, quoi. C'est... Votre vidéo n'apparaîtra pas tant que vous coupez pas la séquence. Parce qu'on avait mis le premier générique. Ah, c'était mon premier live sur Pokémon. J'ai remis le générique de la toute première saison. Je trouve ça trop nostalgique. Bah oui, trop. Et YouTube a pas voulu. Un jour, je serai le meilleur à ça. Ah, je veux bien qu'ils soient un peu, qu'ils fassent attention avec les droits d'auteur, mais nos vidéos ne sont pas monétisées. Quand c'est pas monétisé, ils pourraient dire, de toute façon, il y a quoi, piquer, splash. Splash. Splash, t'es sûr? Ou lâche, ouais. Il nous faut d'ailleurs un Nidorina. Un Nidoqueen. Ouais, donc il nous faut une Nidorina. Ouais. C'est bien. C'est bien. T'aurais pu faire aussi de l'eau, du coup. Bah oui. Imagine, j'aurais pas eu, j'aurais fait... Ouais. Bon bah, on a des films Pokémon à regarder, alors. Très bien. Bah, y a tellement de choses à regarder. Déjà, les Marvel. On avait commencé les Marvel, les Avengers. Pour un peu se refaire toute la saga. On a fait la moitié, là, et... Et on a pas pris le temps de faire la suite. Bah non, hein, on joue trop. Il a l'air tellement blasé, hein, on dirait qu'il boite au tueur, j'aime pas trop ça. regarde, quand il court, on dirait qu'il boite. Bah non, bah ouais. Mais il est très joli en tout cas, lui. T'as raison, vas-y, cours, je te rejoindrai plus tard. Je me souviens exactement du passage dans la vraie cartouche jaune. Ah bon ? À ce moment-là, on arrive au ranch, là, normalement, je crois. Je m'en souviens plus. Kevin, l'ornithologue. Salut, Kevin. Le météore, hein, parce que là, à mon avis, c'est du one-shot. Ah bah oui, hein. Des films d'essais animés. Ah ça, on n'a pas regardé, on était dans Marvel, là. Ouais, mais je verrai. C'est vrai que moi, avec la bande-annonce de Pikachu Détective, j'avais pas été convaincu. Mais bon, la bande-annonce, c'est 2 minutes sur... C'est un film, donc ça veut pas dire grand chose. Mais moi, en fait, l'esthétique de l'espèce de Pikachu réaliste, ça m'a vraiment fait qu'est-ce que c'est que ce truc? On aurait dit vraiment des espèces d'automates avec une fausse fourrure. J'ai vraiment eu peur. J'avoue que ça m'a pas donné envie de voir la suite. C'est comme Sonic, et apparemment, le film est très bien, le film Sonic. Ah, c'est un peu le même style. J'ai même pas regardé. Mais apparemment, le film est bien. On a Disney. Oui. On oui, a oui. Disney Plus. Oui, oui. Ah bah oui, t'as regardé les Simpsons. Simpsons. Ouais, bien sûr. Ouais, pourquoi est-ce qu'on a... Bah on a pris Disney Plus justement pour... les Marvel. Non, les... Ah si. Ouais, mais bon, le problème c'est qu'il n'y a pas tous les Marvel, c'était aussi pour le Mandalorian. Ah oui, c'est vrai. Pour le Star Wars. Et du coup, on l'a gardé parce que j'ai vu qu'il y avait tous les Simpsons dessus. Et The Kid. Et bah, du coup, c'est bien. Donc on a Disney Plus. Donc s'il y a des chouettes choses sur Disney Plus, n'hésitez surtout pas à nous... j'ai plus le mot. À nous le dire. À nous le suggérer, à nous le proposer. À nous le dire, dites-le nous. Je te laisse vite prendre. Bah, avec grand plaisir, du coup, on ira peut-être voir ça. Je dis peut-être parce que je sais. Conseiller, voilà, putain, je n'ai plus le mot. Je dis peut-être parce que je sais qu'avec le temps qu'on prend pour regarder les séries et les films, on passe souvent à côté de plein de choses. WandaVision, c'est quoi ça? C'est une série sur Disney+. Et en effet, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Ah, il y a un gros Krabby. On va faire le Krabby. Il y a un Krabby là-bas, ouais. Mais il va partir. Et ils en parlaient vraiment beaucoup.
sur les réseaux sociaux de WandaVision, mais je ne sais absolument pas ce que c'est par contre. Juste le. Oui, le... il a demandé ce que c'est comme aucune style. Idée. J'ai juste qu'on en a parlé justement après le truc Mandalorian qui avait fait plein de trucs sur Disney+, et puis les gens ont dit ah, le WandaVision, nouveau truc trop bien sur Disney+. Mandalorian. Ok, finir les Marvel. Mais de toute façon, on a commencé les Marvel, bon, je pense qu'on finira ça avant d'aller sur autre chose. Bah voilà, on va finir les Marvel et après on ira peut-être sur Pokémon et après WandaVision ou l'inverse. On a quoi là? On doit faire un... Vas-y, piqué, c'est un insecte. Pokémon oiseau, fort contre insecte. Imagine un moineau avec un ver de terre. On a le troisième Captain America qu'il fallait. J'ai vu qu'ils étaient en train de tourner le 4. Donc faut... Dépêcher. En fait, faut qu'on les regarde plus vite que ce qu'ils ne les font parce que sinon... c'est clair. Pikachu! C'est super efficace. Ah mais oui, c'est les deux jumeaux. Enfin, je sais pas si c'est des jumeaux, mais c'est... c'est ceux... celui qui va super vite et c'est pas eux. Deux. La fille avec la fille télékinésiste et le mec qui est hyper rapide, non? Ah non, parce qu'il est mort, son frère. Bah non, il meurt pas. Bah si, hein. Bah non. Bah si, il meurt. Bah non. Bah si. Bah si. Scarabrut. Oh. Celui qui a... Splash. Celui qui a les cheveux blancs, là. Bien sûr qu'il meurt. Mais il meurt pas, les deux jumeaux. Mais si. Eh mais mec, t'étais où pendant le film, là? Il y en a un où je me suis endormi, hein. Bah, c'était ça, alors. Ça doit être celui-là. Si, si. Il est insupportable, quoi. Et en plus, il me fait « Mais non, mais si, mais non. » Ah, je pensais qu'il mourrait pas. Ouais, mais il y a un ou deux Marvel où... Il était bien, celui-là, en plus. Je m'endormais. C'est pas quand, celui où ça commence dans l'avion, ville. Là. Non. Là, c'est la ville qui s'envole. La toute ville, la ville qui... Il devait évacuer toute la ville, là. Traîne la vie, enfin... Ça me dit rien, mais rien du tout. Mais si. Ah oui, mais je te dis... C'est un morceau d'énorme de ville qui monte dans les airs, et eux, ils sont là en train d'essayer d'évacuer les gens et tout. L'air d'Ultron. Ah, c'est ça, là. Bien sûr, mais tu t'es réveillé en plus. Oui, ah, oui, à la fin, tu dormais. Mais la fin, je dormais peut-être, ouais. Ah, ouais. Je crois que j'ai pas... C'est pour ça que je préfère les séries. Maximum 40 minutes pour un épisode, ça j'aime bien. Les films qui font presque 2 heures, j'ai vraiment du mal à tenir. Après, il s'endort. Ah ouais. Mais moi, rester assis ou allongé, peu importe, devant un film sans rien faire. Un petit peu dans le noir, c'est un truc de fou. Ouais, je m'endors tout de suite. Moi, du coup, je vérifie à chaque fois en mode. Si, il dort pas, tu vois. Oh, regarde, c'est un. Ouais, on y va. Et par contre, les séries, bah, 20 minutes ou 40 minutes, bah, ça je sais tenir sans problème et du coup, je sais enchaîner les épisodes. Exactement le même qu'on a vu il y a pas longtemps, c'est non, j'ai pas le temps de regarder des films. Il dit ça parce qu'il sait très bien qu'il va s'endormir dès qu'il dit non, ouais, voilà. Avec mes horaires de travail, j'ai absolument pas le temps de regarder des films. Et puis en fait, il s'enchaîne 4 épisodes d'une série de 40 minutes quoi. Et le lendemain, il arrive, ah ouais, j'ai regardé 20 épisodes de la dernière série. Allez, le vénard attaque piqué. Ah bon? Je sais pas. Non? Ah non, mais je vous assure. Et alors, Bim. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas moyen qu'on se regarde un film ou des épisodes si on fait pas de popcorn. Ah ouais, ça maintenant. Ça y est, maintenant que je fais des popcorn maison, c'est... Il n'y a pas moyen. Ah non, mais c'est trop bon, quoi. Il me faut un truc à grignoter quand je regarde des films. Ça le tient réveillé. Quoi de mieux que les popcorn? Et parfois, faut que je fasse 2 fournées, quoi. On exagère un peu. Ouais. Hop. Bon bah on va aller là-bas alors du mais coup. Mais passe par où? Mais par là. Ah oui. Oh, t'as failli pas passer hein. Attends. Là j'arrive. Mais je ne peux rien faire quand il y a ça, je ne peux rien faire, toi non plus. Mais là tu peux venir. J'arrive. Même pas ils m'aident pour que je voie le tournant, hein. J'ai dû me démerder à l'aveugle. Ouais. T'as vu, il a plus Krabby. Mais il va arriver. Je pense même que c'était Krabos. Ah oui, il est plus petit. Bah oui, ça, il était énorme. Oh, la tête qu'il a, il est hyper classe, lui. Hein. Eh oui, des popcorn. C'est Mitch. Salut, Mitch. Alors là, tu fais de l'eau. Oui, parce que c'est... Une roche. Exactement. Et l'eau attaque la roche, l'érosion, tout ça. Et le feu, ça marche aussi contre l'eau. Non, pas du tout. Est-ce qu'il a attaqué une pierre avec du feu? C'est qui fait le feu? Le feu, c'est bon sur qui? Sur les plantes? Non, sur les sols. L'acier? Est-ce qu'il y a des aciers là-dedans? Non. Là, je vais faire où? Oui. Imagine, t'es une roche, t'es une falaise, une grosse falaise bien badass. Ouais. Voilà.
Et bah là, t'as de l'eau qui te grignote lentement. Bah du coup, le vol, ça marche aussi. Le vent, c'est pareil. Mais non, hein, le vol. Enfin, du vent, le vol, c'est du bec. Imagine un bec pour le vol. Le vol, c'est fort contre les plantes et les insectes, parce que du coup, ça les bec, tu vois. Ça leur donne des petits coups de bec. Ouais. Et ça mange tout ce qui est... les oiseaux, tout ça, ça mange les plantes, les insectes et tout. Et ben voilà, c'est pareil. Donc l'acide, ça marche bien contre les roches. Ça, je sais pas. Ah bah. Mais c'est du poison. Poison contre de la roche. Mais ça, c'est de l'acide. Voilà. Mais après, tout n'est pas logique comme ça, hein. Enfin, je veux dire... Et parce qu'elle nous a... Ah non, je crois qu'il nous fait de la glace. Ah ouais, popcorn. Oui, ah oui, j'aurais mieux vu ici. Bon, le vol contre roche, ah, est fort. Tu vois ? Non, mais il y avait un lol. Ah. Sarcasme. Sarcasme. Oh. Il va falloir que j'apprenne le sarcasme à concret maintenant, quoi. On dirait Sheldon. Là, je peux faire ce que je veux, en fait. Là, tu fais le tonnerre. Ou un pique-aspin. Non mais tornade, du coup c'est bon contre le... Contre les plantes et les insectes. Mais contre la roche aussi, une tornade. Non, pas du tout. Et les montagnes, c'est... Non, c'est un ça. Oiseau, il peut rien... Mais le mais... vent, jamais de la vie, le vent ça fait rien aux roches. Mais bien sûr que si. Mais non, c'est la pluie. Et c'est... Pourquoi est-ce que les montagnes deviennent de plus en plus petites? C'est la pluie. Mais c'est la pluie, c'est le vent, oui, c'est mais tout. C'est la pluie surtout, ah bah... c'est pas le vent. C'est pour les dunes de sable, t'as c'est pas des Pokémon de sable encore. Tout, quoi. Professeur Mawen. Mais non, mais... Regardez ça, il est... Franchement... Essaye de débattre avec concret. Le vent, ça attaque la roche, quoi. Bah, force, oui, évidemment, c'est violent. Mais l'eau, les stalactites et tout dans les cavernes. Ah oui, bien sûr. Mais voilà. Et quand même plus. Et là, par contre, le feu, c'est fort. Ah, mais est-ce qu'il n'est pas encore considéré comme acier, je pense. Qu'est-ce que je dois faire ici? Là, tu fais un... Bah, plutôt un splash. Donc de l'électrique? Bah, pff, ok, ça va rien faire. Splash non plus, je crois. Ouais, bah, écoute. J'écoute toujours Mewen. Ah, je vais quand même faire... Non, je fais pas ça. Ah, je suis têtu, mais à la fin, je fais toujours mon choix vers ce que Mewen me dit. Je dis bon, très bien. Là, tu as picoré du dur. Merde, je ouais. Savais. Bah évidemment que ça allait être nul, je le savais. Ah, mais la trouille. Ah, super. Ah, c'était bien. C'était pas si mal. Comment ça t'étais brûlé? Ah, t'étais déjà brûlé d'avant. Bah, pique à splash alors. Bah oui. Une ébullition. Ouais. C'était un peu mieux. Ouais. Ah, c'était sûr. Ah, il est bon aussi, lui. Hein. C'était sûr. Et oui, tu le savais, Mewen, mais oui. Mais oui, Mewen. Va falloir qu'on se soigne un peu là. Oh là là, quelle raclée! Ouais, on a failli dire la même chose. Hein. On n'a pas été très bon là-dessus. J'adore qu'on crée qu'il dit on. Attends, on va d'abord soigner avant d'aller dans les hautes herbes. On a plus Krabos. Mais il va. On sait qu'il y est, donc c'est bien, c'est qu'on peut fouiller un peu maintenant. T'as vu là, l'icône de Akokwak qui est en mode. Ah, il est bien. Ah. Et Pikachu qui a un petit cœur, lui par contre, il a l'air tout niais. Voilà. Ah, les deux. T'as mis une hyper potion pour 50 PV? Des super pour potions. 38? Ah, là, c'est bon alors. Ah, ouais, j'ai pas essayé l'hyper potion. Ah. Voilà. Tu vois, il y avait un autre Pokémon qui est. Non. Salut toi! Un Krabos! Oh bah on a quand même... Super, parce que je t'ai dévié. J'ai vu qu'il bougeait, j'ai dévié son bras. Ouais, et... c'est ça quoi. Trop 49, facile, plus qu'un. Trop facile, on va arrêter les hyperballs. Hein. Bah non, c'est trop bien. Moi j'aime bien lancer 20 points. Bah, mais on va trouver plein de Pokémon qu'on n'a pas. 1534 points d'expérience. Tu le redis sans cheveux sur la langue. 1534. C'est trop, on a genre 300 ou 400 avec les combats. Bah oui, il faut choper du Pokémon. Mais là, c'est un Pokémon évolué en plus, donc peut-être qu'on prend plus. Non, c'est parce que quand on arrive bien au bon moment, on a les bonus d'XP quand on est. Déjà, quand on est tous les deux, quand on a le super, quand on est. Quand le rond est petit. PP plus, ça c'est trop bien. Ça faut le mettre sur des déflagrations, des trucs comme ça. Ah, mais t'as plus des. Si. Attends encore un peu. Bah, je regarde si on a pas d'autres, parce que bon, il y en avait qu'un.
Ortide, on s'en fiche. Eh, hey, lâche-nous la grappe. Tout moi. Là, on s'en fiche. Je sais pas où t'es. Là, t'es plus là. Voilà, il vient sur toi. Hein. Il veut te chasser de son. Ouais, lui aussi. On va continuer. Bonus esthétique. Non, t'as raison, on est trop beau avec notre tenue de Team Rocket là. La tenue de Team Rocket, elle est vraiment bien. Elle est trop classe. Moi, je veux vraiment ça en vrai. Attends, je regarde. Je vais vraiment, mais je crois qu'après ce live, je vais aller regarder sur internet si je peux pas me trouver un t-shirt Team Rocket. Ah, mais oui. Mais oui. Oh. Bah oui, pour ça. Tu sais plus venir, bouge un peu. Ah non, évidemment. Bah là, on va en avoir plein. Tentacool. Vas-y, viens. Bah non. Ah, ceux-là, on peut pas les faire ça, à deux. Ça, c'est vraiment naze. Ça, c'est un peu nul, putain, ça. Quoi. Ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est vrai. Vraiment. Là, monsieur Nintendo, quand même. Il y avait un effort à faire. Il va falloir que je me mette les cheveux... Un peu plus rose. Un peu plus rose et un peu plus... que ça tienne tout seul, quoi. Ça va être compliqué. Mais je pense que j'ai les cheveux aussi longs. Est-ce qu'on n'aurait pas un Magikarp Pokémon type où on mettra... Presque aussi long. Magikarp, on met à la place d'Aquapoc, hein. Un jour, t'arriveras à le dire normalement, quoi. Oui, Magikarp, Magikarp. Oh, quel moment d'émotion depuis le temps qu'il attendait ça, quoi. Attends, Léviator, quoi. Ah bah avant d'avoir un Léviator... Bah il évolue au niveau 20, il est déjà niveau 38. Il prend un niveau et c'est fini, quoi. Oui, c'est vrai. Il prend un niveau et il y est, hein. Super bonbon. Ouais. Et tu dessines un R sur un t-shirt et c'est bon. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que ça risque de pas tenir... Alors moi, il faut peut-être que... Tu découpes un R dans un t-shirt. Ça va être super. Hyper sexy, tu me mets là. Non, mais clairement, on va faire ça. Tant pis pour Aquacouac. Aquacouac. Bah ouais. Ah, je suis désolé, mais... Bah non, mais bien sûr, on s'en fout. Magikarp, quoi. Attaque trempette. 38, en plus, il est plus haut. Donne-lui un super bonbon tout de suite. Bah oui. J'avais bien compris. J'avais approuvé l'idée, d'ailleurs. Je me suis dit, bah oui. Ouais, mais comme t'as rien dit, je me suis dit, bon, ah, bah... J'approuve en silence. On va refaire... On n'a pas les super bonbons, on n'a plus. Oh, on n'a plus, on a tout utilisé sur... Ah non. Bah, on va dans l'arène. Et l'arène. Où on continue et j'attends d'arriver au prochain... On est où, là, sur la carte? Parce que maintenant, on peut faire Safrania, on a au moins 50. Safrania. L'autre, je n'ai plus le nom, mais... Safrania? Ah, attends, on va... Non, c'est pas Safrania, c'est... Merci pour le... Merci TotalyZ pour les 4 personnes. Merci beaucoup pour ton raid. Hey, salut, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bienvenue à toi, bienvenue à tous. J'espère que tu as passé un bon live. Ah voilà, ça y est, je l'ai. Impeccable. Oui. Ça fait vraiment plaisir. Venez voir deux boulettes voilà. De Pokémon. Non, on est bien là. Merci à toi. Eh ben, ça tombe bien, on allait justement aller dans... Ah, dans l'arène, si. Si. On va dans l'arène de Parmani maintenant. Ah. En plein pour une arène. Ça y est, on vient de choper le tant attendu Magikarp. Le tant attendu Magikarp pour le faire évoluer en... Léviator. Léviator. Faut purée, j'ai eu un trou. Le live de l'amour et du réconfort. Oh. Merci. C'est trop chou. Du réconfort. On a toujours un café. Oui. On n'a pas de radis, là. On n'en a plus. Je ne sais plus où était la reine. Et il y a l'autre qui doit aussi nous donner dans le... Bah tiens, elle est là. Dans le tunnel. Il y avait le... couloir, je vais dire. Là, tout à fait. Ouais. L'assistant du professeur Shen qui était là-bas. Ah oui, on peut... Oh. Oh. Ah, c'est ça le test? Il fallait avoir... C'était 50, ouais. Ah, je pensais que c'était pour qu'il nous donne des Pokéballs, moi. Mais il y en a un autre. Ah. Oh. Mais il y avait lui aussi. Hey. On me voit, on me voit pas. On me voit plus, J'allais justement faire cette blague.
Concret m'a dépassé. La ressemblance était frappante. Tiens-toi prêt à affronter d'adversaires aux capacités peu orthodoxes. C'est quoi comme type Je me souviens plus du tout. Faire du combat. Je me souviens plus. J'ai honte, mais je me souviens plus. Je pense que c'est du combat. Hein. Et je peux directement aller au. Bah. Non, regarde, t'as de la. T'as... Ah ouais. Ah ouais. C'est pas mal ça. Ils ont bien fait les arènes. C'est un dresseur. Les arènes sont très belles. Ouais. Avec les petits gens qui te regardent en mode allez, vas-y. On va tout de suite savoir ce que c'est. Le dompteur. Oh, regarde, il a l'air trop content lui. Mais c'est du. Nidorina, celle qui nous. Elle faut. Est trop mignonne. C'était quoi? C'était l'eau qui marchait bien là-dessus. Hein. Là-dessus. Je sais plus. Exactement, Gigi. J'aime beaucoup ce film. Exactement. Ah ouais, mais c'est tellement culte. Écoute, ouais, moi j'ai toujours un problème avec les Pokémon sol ou normaux. Je sais jamais ce que c'est. Ce qu'il y a de bien contre le Pokémon normaux. Ça, c'est un Pokémon normal. Normal, y a rien qui est bien. Y a tout qui est normal. Alors voilà. Je crois que c'est ça, hein, Gigi. Tu me corriges si je me trompe, mais en fait, normal, y a tout qui fait. Rien. C'est pas rien, c'est normal. C'est pas si mal. C'est le neutre. Ah, mais concret, tu sais des trucs en fait avec les types. Mais je dis, moi je connais genre électrique sur eau. Bon. Et le pire, c'est que on n'est même pas des novices de Pokémon. Enfin, on a quand même fait pratiquement tous les Pokémon en mode gros fan, mais on est nul en stratégie. Ah ouais. On est nul en stratégie. Ah ouais. Nous, on y joue en mode complètement. Jeu de rôle, quoi. Jeu de rôle. RPG. Bien du RPG. C'est pour ça que je pense que Temtem, ça va être pas si mal quand on va le faire, parce que apparemment, il est un peu plus difficile de ce que j'ai entendu, et ça va peut-être nous obliger à. Très bien. À réfléchir un peu, quoi. Pourtant, on avait dû. Ah non, il y a combat quand même debout. Ah. Les specs qui fait rien. Et sinon, le reste, c'est normal. Très bien. Et je crois qu'on est un peu plus haut, du coup. Oui, j'allais dire, dans Divinity, on devait faire attention au type aussi. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je disais dans le dernier live. C'est aux qu'il y a éléments. Il y a certains jeux où je ne sais pas quoi, je fais attention et je réfléchis, et d'autres où, ben en fait. Pokémon, faut pas réfléchir. C'est le jeu où faut pas réfléchir. Ouais, je sais pas pourquoi. Alors qu'en fait, si. Mais bon, ça passe quand même. Oh là là, quel lover, regarde-le là. Par contre, quand on sera à la ligue, on fera quand même attention, parce que j'imagine qu'on doit enchaîner les combats comme dans l'original. Ah, il y a moyen. Je peux passer où je veux là. Non, est-ce que ça fiche, ça repart, tu dois un petit peu regarder. Ouais. La force ne fait pas tout. Essaye d'avoir une bonne stratégie, il nous a écouté le mec. Ah, c'est un coach. Un top dresseur. Pas besoin, Supernova fonctionnait à tous les coups. Exactement. La Supernova de concret dans Divinity, quoi. C'était un peu le pic à sprint. Et encore, c'est parce que j'ai pas essayé Météor. Je suis sûr que si j'avais essayé Météor, j'aurais fait plus ça après. Météor. On a même pas essayé les. Oh, j'ai un cheveu dans l'œil. Les grandes attaques. Peut-être qu'il y aura une Supernova dans Baldur's Gate 3. Ronflex, c'est vrai qu'il était chaud. Mais oui, il fallait absolument des attaques combat. Ah, je me rappelle maintenant. Qu'est-ce qui est bien contre Tadmorph? Ah, je sais pas, je dis pas. Les Pokémon poison, c'est quoi? Je me souviens jamais. C'est décidé, on va imprimer tous les tableaux. Oui. Tous. Oui, oui, oui. Enfin tous, il y en a qu'un, mais je veux dire, celui de Pokémon et celui de Temtem, on va les... Je ferai ça au boulot mardi. Ouais. Les plastifier, très jolis, ce sera sur nos bureaux. Les plastifier, très jolis. Ouais, les plastifier, du coup, c'est très joli. Ouais. Ah, dans une petite carte de visite. On aura... Plastifié. Attends, hop. Ah, j'avoue. Un mouchoir contre Tadmorph. C'est tout ça dégueu. Dardagnan, mais attaque c'est tout à fait, c'est tout à fait ça quoi. Psy et sol contre poison, on a ni l'un ni l'autre, très bien. On a retiré notre Pokémon type psy. Très très bien. On n'a pas de sol. Ossature, il est pas mi-sol. Mi-sol, mi-ours et remis-sol derrière. Bien sûr. Je sais plus. Non mais il était feu et spectre. Ouais, donc rien à voir. Bravo. Bravo. Même lui, il me dit assez bien, t'as enfin compris. Rafflesia monte au niveau 50.
On le joue plus, mais alors t'inquiète, il y va. Hein. C'est notre plus fort, non? Par contre, les starters, du coup, on les a ratés quelque part. C'est pas le starter. On a peut-être pas parlé à tout le monde pour les avoir. Mais dans Pokémon Jaune, je sais plus si on les avait tout de suite. Mais Astésia nous avait dit qu'il y avait des dresseurs qui nous les donnaient. Ouais, mais peut-être pas tout de suite, quoi. Par contre, là, c'est la première arène où je peux ne pas aller partout. Ah bon? T'es bloqué? Ouais, je suis bloqué aussi. Ah bon? Je crois. Ils avaient commencé à coder. Ils ont dû sortir le... Ça fait bon, ouais, tant pis. C'est tant bon. Pis pour le reste. On s'en fout du multijoueur. Donc là, qu'est-ce que... Allez, encore une fois, il a le mérite d'être là. Et attention, Pikachu attaque Pikasprint. Quel suspense! Ah, le mème de Pink Pony m'a beaucoup fait rire. Concret et sa suffateuse Pikasprint. Quoi qu'il arrive dans les combats, c'est Pikasprint. Concret a raison pour les starters. Et quoi, on les a ratés? Ah, on les a ratés. Ou c'est plus tard? Moi, j'ai pas raison, hein, c'est Astésia qui nous l'avait dit. Moi, je ne sais pas. Et... Pourquoi j'ai raté? Fait tonnerre. Il s'est soigné? J'ai pas regardé ce qu'il avait fait. Fait tonnerre. Il a fait quoi? Je sais pas. J'ai même pas vu du coup. Ah, il fait abri. Mais c'est là, il échoue. Oh. C'est ça, ils sont tous disponibles. Il faudrait les trouver, comme ça on peut peut-être se mettre un Dracaufeu. Ou un Florizarre, ou un Tortank. Tortank j'aime moins. On pourrait peut-être se mettre un petit Dracaufeu. Tortank j'aime moins. Non, moi je veux Draco. Mais Florizarre à la place de... Moi je veux Draco. Bien sûr, et Florizarre à la place de Rafflesia. Ouais. On ira voir après où ils se trouvent. Ah, ils sont tous disponibles contrairement à l'original. Ouais. Très bien. Ça, il faut juste les trouver. Mais genre, on n'est pas en retard. C'est là, la concrète, il a dit qu'on les avait ratés. Je ne sais pas, c'est une question. Est-ce qu'on les a ratés? Est-ce que tu veux vraiment le savoir? Ah oui, parce que si je peux avoir mon bulle bizarre, je prends mon bulle bizarre. Bulle bizarre. Oui. Ah oui, sûr et certain, ça. Attaque lance-soleil, c'est juste trop bien. Quoi. Ah, j'avoue qu'elle est belle, celle-là. Florizarre se charge. Boum. Quoi? Il en parle avec tellement de passion, quoi. C'est beau. Ouais, mais c'était mon starter. Eh oui, bah, en fait, j'avais commencé avec Salamèche, ma toute première partie. Et j'avais recommencé avec bulle bizarre après, parce que... Salamèche, c'est horrible. Le tout premier Pokémon, tu commences avec les roches. Et ah en fait, oui, c'est chiant. Ton Salamèche. Le feu, c'est. Voilà. Moi, et Bulbizarre, c'était beaucoup plus facile. Alors, moi, je l'ai fait. Alors, le plus facile, c'était avec le Pokémon eau, toujours. Ah bon? Toujours. J'ai l'impression que c'est toujours le Pokémon eau où tu pètes tout, quoi. Mais et non, trop facile, moi, j'ai trouvé. Dans ce Pokémon-ci, t'as d'abord la roche avec pierre, puis t'as Ondine avec l'eau. Carapuce, il est tellement balèze. Oui, mais t'as l'eau en deuxième. Ouais, mais tu trouves tellement toujours un Pokémon oiseau. Oui, mais ta plante te fait tout. Mieux jusqu'au moins la troisième arène. Donc, Bulbizarre est mieux. Ta plante te fait. Non, c'est vrai. Non, je crois que j'ai raison. Je crois que j'ai raison. Mais non, en fait, vraiment, j'ai eu toujours l'impression que dans les Pokémon que j'ai fait, le Pokémon eau est toujours tellement plus puissant que les autres, mais j'ai toujours préféré le Pokémon plante. Toujours. J'ai bien aimé les plantes. J'ai pris le feu, moi, ici, dans Soleil. T'as pris qui en starter? Moi, j'ai pris le chat. Miaou flamme, je sais pas trop quoi, là. Il y avait quoi, c'était quoi les autres? T'as plante, eau et feu. Comment tous? T'as un hibou, plante. T'as l'eau, je ne sais plus ce que c'est l'eau. C'est peut-être ça que j'ai pris. T'as peut-être pris le hibou plante, ouais. Et donc moi j'ai pris le chat-feu. Bah oui, il fallait se prendre. Non, j'avais pris le chat-feu aussi, je crois. Je sais plus. Ah, il y a des bulles bizarres dans la route 2. On va aller route 2. C'est où la route 2? La route 2, c'est au tout début. Et il n'y en a pas des plus tard parce qu'il va être niveau 2, quoi. Va être niveau 4-5, ça va être... Ça va être long. Tard, hein. Ça va être long. Bon, on le met à la pension. Il y a la pension déjà? Il y a pas... Bah non, il n'y a pas la pension. La pension, c'est arrivé en génération 2-3. 2-3. Aucune idée, mais on va peut-être quand même aller route 2. Juste au moins en prendre un, on le met à la place de Rafflesia. Et quand on ira dans les arènes, où là, on aura peut-être besoin de Pokémon H. AUT, là peut-être qu'on pourra remettre Rafflesia à la place. Oui. Pokémon haut niveau. La mèche route 3 et 4, bah voilà. Ça la mèche. Et après il reste Carapuce, mais c'est pas grave ça. 3-2, 3-2-2-3, 3-2. Ok. Et 4, au cas où. On va faire ça. Après l'arène, on fait ça. On fait un petit détour vers.
T'as réussi à trouver? Ouais, je sais pas si c'est là, mais... Bah si, bravo. Veux devenir ninja, mais t'es dresseur. Ah, oh, c'est plus tard, 24 et 25. Oui, parce que de toute façon, il fallait attendre d'avoir le surf. Et on met un draco feu, mais du coup, draco feu... Carapuce, il est pas dans l'eau, hein. Si on veut draco feu... Carapuce, il est dans l'herbe. Ouais, mais il peut-être est pas ici. Carapuce. Peut-être pas ici. Ok, il est trop qui nage. Bah, peut-être. Est-ce que, du coup, on met draco feu à la place c'est de ossature? Ah bah, oui. Contre Arbok. Plutôt du pick-up. Bah, contre un serpent, normalement, c'est bon, ça. Bah, moi, c'est ce que j'aurais fait. Ah. Ah. Si on veut rester logique. Ah. Contre un serpent, le vol, ça doit être bien. On va aller chercher notre bulle bizarre. Ah ouais. Ah ouais, hein. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Il a la trouille, en plus. Et oui. Quel duo. Il monte pas encore, hein, là, notre ami. Magikarp. Ah oui, c'est vrai. En même temps, il faut le temps, hein. On refait la même chose, c'était bien. On refait la même chose. On refait la même, allez. Ouais, c'est poison, mais ça reste un serpent. Normalement, l'oiseau, c'est fort. Je l'ai dit tantôt. Ouais, mais attends, c'est pied poison. Pied sol. Oui, mais on avait déjà oublié. ce n'est pas une légende à nos mémoires. Tu savais que Arbok, c'était cobra à l'envers? Je n'avais jamais fait attention. C'est pas vrai? Vraiment. Ah, moi, je pensais que tu allais me dire, bah oui. Ah oui, cobra. Sérieusement, c'est ah, vraiment. Pas... Oh. On va découvrir tous les noms en fait, on va seulement comprendre pourquoi est-ce que tous les noms... Et Abo? Eh ben Abo, Oba... je sais pas quoi... Boa? Boa, ouais, mais c'est moins du coup. Arbok, c'est bien un cobra, mais Abo, Boa... Bah Boa, c'est un serpent? Oui, dedans. Oui, oui, oui! Génial! Ouais. C'est pas si mal, j'avoue. J'avais pas fait attention à tout ça. Je me venge de mon rapace des piques. Tout à fait. Ah, tu l'avais déjà fait avec Elector. Y'a pas plus fort. Sérieusement, tu savais pas? Non, je viens de le voir avant que tu l'as dit, en effet, Arbok, Cobra. Ouais. J'avais jamais fait attention. Ouais. Je suis fier. Ouais, bah c'est bien. Bah c'est bien. 20 ans après. Mieux vaut tard que jamais. C'est ça quoi. On va reprendre maintenant les 840 noms. Et on va les détailler un par un pour... Il y avait ça aussi dans Astérix, pour Mission Cléopâtre. Les blagues. C'est con, hein, mais Mission, oh ouais. Mission Cléopâtre, pardon. Mission Éclopâtre. Ça veut dire quoi, là? Mais attends, on l'a pas eu, elle, là-bas. Qui ça? Elle, on a plus... Celle là-bas. Vas-y. Attends que ça revienne. Bah, t'es sûr? Ah ouais. Certain. Ah bah voilà. Alors, on aurait pu faire le dresseur final avant, mais... Ouais, c'est l'XP. Et c'est vrai qu'ils vont te montrer qu'en fait tu pouvais aller tout droit. Non, on a essayé. Ah oui. Air bizarre, ça va être trop bien. On va aller en chercher, il est juste trop bien en plus. C'est vrai qu'il est beau. C'est censé être une arène poison. Ah, d'accord. J'adore le c'est censé. Ah non, c'est une arène poison. Ah ouais, c'est une arène poison. Bah, c'est pour ça du coup qu'il y avait tous c'est les arbres. C'est vraiment une arène poison. Bah, il y a un peu quoi. Ouais bon, moi j'ai vraiment rien qui... Bah l'ombre. Non voilà. Donc là c'est censé être bon quand même, il est plan enfin lui. Attends, ça va être top. Ah oui. Ça va être top. Concrète, découvre le bénéfice des types. Pikachu, Chouka Pik. Merde. Et ça marche en plus. Mais non, mais j'ai cru en fait, c'est parce que c'est concret qu'elle dit c'est censé être une arène poison, du coup je me suis dit ah! Ah, tonnerre! Ah, tonnerre, hein! Quand j'ai pas d'idée, je fais tonnerre. Quand j'ai pas d'idée, je fais ébullition. Mais je garde le pique à sprint pour le boss. Je suis capique, oh, putain, j'adore! Ouais, je suis capique, j'aime bien. Le vrai verlan, ce serait quoi? Plutôt, attends, il est où Pikachu? Pikachu, c'est chou capique. Ça fait U. Bah non, Pikachu, Uka... Capi... Uka... Kip. Uka Kip. Tu prononces vraiment les lettres? Ouais, mais du coup, Abo, Boa, ça marche pas, quoi. Abo... Oab. C'est ça, c'est pour ça que j'avais pas compris.
Ah bon, ça fait Obasino. Ouais, c'est un anagramme. Oui, mais c'est pareil. Ouais. C'est pas un anagramme, c'est un verlan. Ouais. Ah, Bobo, hein. Et donc, ouais, Pikachu joue Capic. Il y a différents verlans. Mais attends, je suis pas là. C'était une feinte. Mais il est où, lui? Wahaha. Oh, mais genre... Tu oses me défier, moi, le grand beau, le terrible Koga. On sait pas si t'es beau, t'as un masque. Par le sang de mes ancêtres, je vais gagner. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il t'impressionne. Sois impressionné. Ça a changé la musique. Koga, le champion, veut se battre. C'est très joli, ça fait penser à la miniature que t'as faite. Il y avait l'effet, là, vert ou... Ah, oui. Ouais. Je pensais que tu parlais du côté asiatique. Pika Sprint. Il a appuyé sur son Joy-Con avec tellement de ferveur, c'était beau en mode. Tu vas non. Prendre. C'est comme l'hyper potion. C'est de l'anti-jeu. Non, abri. C'est de l'anti-jeu. Il épuise nos pépés. Heureusement, il peut le faire qu'une fois. En plus, sur les deux, normalement, abri, c'est une seule attaque. Ouais, j'adore le normalement. C'est peut-être le tour. C'est hein. Pas du tout. On n'a pas lu parce que c'était une seule attaque dans la version normale, mais t'avais qu'un seul attaque par tour. Bah oui. Ici, ça tombe, c'est Elise, ça te protège durant tout le tour. Ouais. T'aurais peut-être dû faire ballon, non? Ouais, j'aurais pas fait mieux, je pense. Oh, t'es gravement empoisonné. C'est trop joli le poison. Ouais, à fond. La couleur du poison est vraiment trop jolie. Ah ok, en anglais c'est l'inverse de Snake. Ah bon? Ouais, c'est donc c'est pour ça, bah, c'est Ekans du coup, donc Snake à l'envers. Ah, Ekans! Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu faire un peu la même chose. Mais ils sont bien sortis je trouve. Hein. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que Abo c'est mieux que Oab. Aob. Est-ce que je soigne mon Pikachu? On va peut-être le soigner quand même. Parce que sinon, avec le poison, je vais mourir à petit feu. Oui. Encore des total soins? J'en ai racheté plein. C'est vrai? Des total soins, des remèdes, des antidotes. J'ai même pas vu en acheter plein. Ah non, c'est quand t'as été faire le café. Ah. Ouais, là j'en ai pris plein. Gros tas de morts. Y'avait rien qui était fort contre lui. Sac. Regarde, j'ai même mis des antidotes. Parfait. Et en fait, ça sert quasiment à rien parce que les total soins sont quasiment le même prix que tout le reste. Donc en fait, il vaut mieux prendre les total soins. Il n'y a pas une énorme différence. Oh, c'était nice. Et Arbok, ça c'est bon pour les deux. Cobra. Ça fonctionne. T'avais fait quoi, toi? De l'eau, c'est nice. Non, l'eau, on est super. Bah, j'ai fait piquer. Mais tu vas t'engouffrer dans ta mort, ça sert à rien. Mais si, ça a bien marché tout à l'heure. Ah bon? Ouais. Ah non, j'ai refait cascade du coup. Ah. Ah, il a fait abri. Pourquoi? Pour t'éviter de te ridiculiser. Je vais quand même le refaire. Je suis sûr que ça a bien marché tout à l'heure. Fais bah l'ombre. J'aurais dû mettre une hyper potion, je ferai une hyper potion après. Piqué. Tu vois? Ouais, c'est pas terrible. Je suis d'accord. On est d'accord. Tu vois? C'était naze. Non. Allez. Non, mais quel relou. Je te laisse le finir. Ok. Gravement empoisonné. Donc moi, je vais d'abord faire un... antidote. L'antidote. Je vous apporte l'antidote. Tu vois, c'est nul. Mais oui. Tu vois? J'aurais dit, c'est pas si mal. C'était naze. Météore, ça aurait peut-être pu être bien. Ouais, c'est normal. Ah non! Ça fait quoi? Abri! Mais... Ah. C'est de l'anti-jeu. Ouais, là... Non, c'est bien, parce que du coup, moi, j'ai... C'est très... Très bien pour moi, parce qu'en fait j'ai pu faire mon antidote, et moi je peux me soigner, j'ai... Oh non, ouais non, ça va en fait.
Hyper potion. Non, super potion, oui. Très bien. Et toi maintenant tu peux genre faire un balombre, ouais. Ah il était relou lui. Ah ouais. Est-ce qu'on a rien contre eux, on aurait dû garder notre psychopoque. Ah ouais 53. Ouais. Et pourtant ils sont 43, quand on a 10 niveaux de plus c'est Bah oui ce sont les. Bah oui c'est les types quoi. Ouais ça le combo abri poison. C'est pas mal en soi. Hein. Ah j'avoue, ils sont intelligents. Ouais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle abri tu peux pas le faire deux fois d'affilée. Sinon c'était abusé quoi. Ah lui par contre. Ah là là, il va prendre cher. Non. Bah ballon, pourquoi pas. Non, je veux pas. Mais de toute façon il sera mort. Pas sûr hein. Bim. Oui. Il est passé de full à zéro en, ah ouais. En rien. Allez Magikarp. Ouais moi aussi je suis en train de regarder. Oh, eh oui mais. Aéromite. Aéromite. Aéromite aussi va prendre cher. Qu'est-ce que t'es fort contre lui? De l'électricité, c'est une vol. T'es insecte? Bah ouais. Attends. Fais l'électricité, t'es sûr comme ouais, ça. Ouais vas-y, fais B. On a raison. On a raison. Ouais. Pika sprint. On a raison. Il a raison. Bon, ça va pas faire grand chose, normalement il sera mort. Oh non. Mec, tu paries qu'à la fin il va nous dire tiens, je file la CT abri, tu verras, c'est top. Nous, on va l'acheter. Allez. C'est comme hyper potion quoi. Abri, hyper potion, abri. C'est de l'anti-jeu. Ouais, c'est pour ça, électrique c'était bien. Tu vois, il est un peu vol, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire électrique. Eh oui, comme ça c'est sûr. Quoi. Ouais. Oh, il n'est point mort. Bomberk. Not bad, not bad. Aqualie est empoisonné. Mais Aérobite est mort. Et KO. Aérobite. Aéromite. Ne pas se tromper en fait. Non. Aqualie. Aqualie est monté de niveau. Magikarp aussi, il était 10 niveaux en dessous. Mais il en gagne moins. Hein. C'est pas grave, on va aller chercher Tu as prouvé ta valeur. On va aller chercher des salamèches et des. Boules bizarres. Bulles bizarres, route 2, 3 et 4. Route 2 d'abord. Ouvre ta main et prépare ton esprit car voici. Le badge âme. 70. Toxique. Ah bien, ça qu'elle ouais. Est bien. Au moins 400 ans cette technique. Ah tu vois, je peux aller tout droit maintenant. Bah oui, maintenant oui. Le brouillard mortel s'est dissipé. Bon. Notre merci équipe. Bigly, on a réussi. Prendre Pokémon d'abord. Bah, c'est ça que je voulais voir. Est-ce que mon équipe. Oui, on a plus de PP là. Non, mais peut-être qu'il l'a. Où est-ce qu'il est? Vas-y, fais aller ton joystick. Vas-y, fais-le aller maintenant. Allez! Putain, mais. Voilà. Juste le temps d'aller au centre Pokémon. Ah, il était juste à côté en fait. T'as raison? Ouais. On va aller prendre l'autre gauche. J'avoue. 10 de réussi, mais oui. Allez, on se rapproche, hein. Da-da. 17h44. Bah là, on va aller juste chercher notre salamèche. Non, pas tout de suite. Bulle bizarre. Il n'y en a plus après, hein. Bah laisse-donc juste, hein. C'est le dernier, vraiment le dernier verre. Ouais, je goûte vite fait, mais. Ça vaut pas le CSML, c'est pas mauvais.
Route 2. Sac, carte. Non, pas équipe. Et on va à la route 2. Ah, je peux pas me faire... Bon. Là, non, on aura... Tu TP toujours à des endroits où il y a des centres Pokémon. Ouais, mais je pensais peut-être que... Que non, 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 non. Ah bah tiens. Bah merci Lily, du coup, c'est une bonne idée. On a trouvé une Pokéball... Deux Pokéballs. Mais allez. Et... C'est quoi cet endroit? Une pierre plante. Je vais aller voir après, mais je voulais juste voir là, un peu en bas. Je suis curieux. Y a pas un... C'est quoi là? Oh. On l'a pas non plus. Ah oui? Non. Ah, bah, c'est pas un shiny là? Shiny? Non, c'est ce que j'ai vu de face. Et on l'a pas. Ah bah vas-y. On l'a. Évidemment. Il y en a un qu'on n'avait pas pourtant. Dans la forêt de Jadiel, on en avait plein. C'est Chenipan qu'on n'a pas. Ah bon? Tu? Ouais. Prends ta manette. Mais si, on l'a. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais je suis quasiment sûr qu'on n'avait pas. Que... On avait directement pris Crisacier. Je ne suis pas sûr. Ouais, c'est un Mystherbe. Ah si. Non. C'est dans la forêt après la route 2. Ah, la forêt de Jade. Jadiel. Bah, de toute façon, on va aller voir là, et puis on va aller dans la forêt. Je suis juste curieux de savoir où je vais ici. Point de combat. Point de combat. J'ai eu la même manière. Pas lire là. On arrive où ici? Où est-ce qu'on est? Et... Ah, c'est ceux qui avaient donné la TS Lumière. Pourquoi pas? Donc la forêt, c'était... C'est là, non? C'est où, là? Mais la forêt, on l'avait fait blindée. On est dedans, là? Carte, ou c'était en dessous, peut-être. Où est-ce qu'elle est, la forêt? Elle est là. Forêt de Jade. Non, on l'avait traversée en mode... Ça, c'était un raccourci, en fait, là où on a été. Bien. On l'a, lui? On forge? Bah oui, si on a... Ah bah oui. Alors que... On va peut-être choper directement... On l'a. On n'a pas Roucoups? On l'a pas fait évoluer, notre Roucoule? Bah... Rien. Il y en a plein qu'on n'a pas, regarde. Ah, Roucarnage, c'est Roucarnage qu'on n'a pas. Mais je crois qu'il y en a plein qui... Qui étaient... Qui volent, ouais, j'avoue, on a loupé ça. Ah. Tu peux pas descendre de ton Ponyta, là? Si. Je vais le rentrer dans sa Pokéball. Rentre donc, Pink Pony. Ce sera plus facile. Oh, y'a un Pikachu! Et pour avoir un Réchu. Ah, pour avoir Réchu, on le prend, allez, on le prend. Vas-y. C'est un femelle aussi. Attends, ah. Peut-être... Sac. Ah oui, on va prendre des Pokéballs, là. Regarde, 235. On les prend aussi. Ah, on peut les spammer, quoi. Joli. C'est pas si mal.
Il est dérangeant, Pink Pony. Ah, il prend un peu de place. Oh. 37 points d'expérience. On gagne rien du tout, en fait. Hein. Yay. Ah oui, mais là, évidemment. Pink Pony. Mais non, c'est pas vrai. On l'a juste rentré parce que sinon je pouvais pas. Attends, y'a qui là? Ça revient vers l'arrière? Non, c'est un. Non, non. Sinon j'arrivais pas à suivre. Mais si on a vraiment par ici. Ah, ah mais c'est moi qui suis parti. Des mystères, des cocons forts. On te fait confiance, hein, Lily. La pression. C'est parti de l'autre côté là. Ouais. Encore mes pieds. Il y a de partout là. Hop, pique. Après, s'ils sont très rares, on peut faire ça longtemps. Ah bah tiens. Il est plus rare, ok. C'est bien là. Bah on peut attendre 5 petites minutes. Hein. Ouais. Après, moi, il faudra quand même que j'aille me préparer pour tout à l'heure. Ah oui, mais on y va. On s'arrêtera là après. Moi, je voulais juste le choper. Au pire, on se décolle et on attend un petit peu, nous, hors stream hein, aussi. Hein. C'est pas très grave. En même temps, c'est pas hyper passionnant le pop de Pokémon. Donc on va dire que si on l'a pas là, on... Allez, on fait 5 minutes. Et si on ne le trouve pas dans les 5 minutes, de toute façon, on s'arrêtera là. Allez, 3 minutes à 55. Ouais. Et il va bien finir par arriver de toute façon. Bah oui. Vas-y, avance encore. Ouais, c'est pas son cela. Cri. Faut écouter son cri. Bulbizarre. Tu crois qu'il va se connecter en faisant. Bulbizarre. Bulbizarre. Peut-être qu'il faut partir hors de l'écran. Oui, non, en fait, non. Ah, il y en a plein, ça. Ça pop de partout, là. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus de place. À un moment, il n'y a plus de place. Dans l'herbe, ils sont trop nombreux, là. Pourquoi tu veux pas avancer un peu? Parce que j'ai peur d'aller dans les hautes herbes et de me faire choper. Ah mais toi là, là il faut reset un petit peu les autres. Toi quand t'es plus hors en vue, je pense que ça reset un petit peu les spawns. Comme il y avait dans épée bouclier. Là j'ai eu un bruit bizarre que j'ai jamais entendu. Ouais moi entendu. Aussi, j'ai entendu le... Il y a des roucoules partout, on se fait attaquer à coups de roucoules. Non. Ah le chenipan. Vite. De toute façon, on revient ce soir. Hein. Oui. Classique, 20h30. Classique. Bah oui, sur WoW Classique. Ce sera sûrement assez court, j'espère. Ça veut dire qu'on y arrivera correctement. Vu qu'il nous reste que les 4 cavaliers et Saphiron et Kel'Thuzad. Donc, non, encore un chenipan. T'as marché dessus? Ah, j'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Fuite. Donc, normalement, ça devrait être assez rapide si on fait ça bien. Mais là c'est le roucoule Le Mewen classique. La Mewen classique, exactement. De toute façon moi je peux marcher dessus, ça fait rien. Dommage que ta camarade te suive pas parce que comme ça on t'aurait pu aller en éclaireuse. Ouais. Là normalement il y en a plein ici. Quoi normalement il y en a plein ici? Bah il y a plein de Pokémon qui arrivent ici. On n'aura pas notre bulle bizarre? Oui, vous maîtrisez maintenant grave. Mais oui, en même temps, ça fait... La dernière fois, je parlais de 5 mois, mais c'est depuis décembre. 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 Et janvier. C'est 5 mois. Ouais, c'est ça. Et ouais, je sais pas compter toi. On va dire que c'est ça. Bon, on aura Bulbizarre plus tard. Hein. Ouais, moi, je vais rester là un petit peu. Du coup, je vais attendre pendant que Mewen fait ses buffs World of Warcraft. Ouais. Et moi, je vais essayer de choper, du coup, Bulbizarre tranquillement. Quand il arrivera, donc on va s'arrêter là pour cet après-midi. Concret aux aguets. Ouais. Et merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Merci beaucoup pour le raid. Et bienvenue aux nouveaux arrivants. Si jamais vous êtes encore là, si jamais il y en a encore. Et merci à nos fidèles spectateurs, vous êtes vraiment trop cool. Et donc ce soir, on revient à 20h30 pour
World of Warcraft classique. La fin de Naxxramas. Ouais. Avec Mewen. Et puis si elle finit plus tôt, je sais pas si tu peux sur autre chose ou pas. I don't know. On va voir combien de temps ça prend. Ou alors après, j'irai m'affaler dans un fauteuil à cause de mon dos. Là, j'ai super mal. Là, je souffre. Le martyr, j'ai du mal à bouger. Ah oui. On verra. Ouais, du coup, merci à tous. Et bah, peut-être à ce soir. Bah, carrément à ce soir. Carrément à ce soir, de toute façon. Carrément à ce soir. À tantôt.